Allô? Voilà. Salut à tous, comment allez-vous? Bonsoir tout le monde. Est-ce que ton micro est bien branché? Oui, c'est ce que j'ai vu. Enfin, quand j'ai dit allô, D'accord. c'est ce que je regardais. Oui, il y a beaucoup de monde. Très bien. Salut Crouzès, Nico, Babou, Froufi, sauc petite saucisse. Déjà? Composition nordique en musique de Bonsoir, bah fond. bonsoir à tous. Oui, en effet, j'ai fait une petite reprise d'un morceau que j'avais fait il y a des années en arrangement acoustique pour le début du live. Incroyable de Ah, il y a l'avoir des connaisseurs. modifié. Incroyable. Alors aujourd'hui, on va jouer à Orc Must Die comme la dernière fois. Donc c'était le jeu en Tower Defense où il y avait des orques qui Des fonçaient orques. sur nous et nous il faut qu'on pose des pièges. Qu'on les bloque pour pas qu'ils viennent nous attaquer. On peut peut-être tenter, là pour commencer, on peut peut-être tenter de refaire le niveau où on avait galéré la dernière fois, en prenant les bons pièges du coup. Ouais. Yes, et bien. Parce que bon, on a vraiment un résultat immonde dessus, alors que techniquement, on Ouais. était mieux stuff que... Ouais, ce niveau était compliqué. Là, Du coup, les je orques nous ont lance. humiliés, il faut revenge. Lançons, tacos. Tac. Donc, pour ceux qui étaient là ou pas là d'ailleurs, les deux, le niveau en fait faut se séparer en deux parce que les monstres passent par deux endroits différents. Ou même s'il n'y a pas besoin de se séparer en deux, il faudra mettre des barricades qui se font détruire par des monstres spécifiques qu'il faudrait en fait tuer avant qu'ils atteignent les barricades. Et la dernière fois, on avait pris des nouveaux pièges en fait qu'on n'avait jamais essayé et qui n'étaient pas spécialement adaptés. Du coup, ça a été la guerre. Salut Grand Joystick, bisous de la tranche. Coucou! Il a dit Bisous la tranche. Lusa. Au début, j'avais pas compris, mais je crois que c'est le verlan de salut. Mais je crois que Waouh! personne dans le monde dit ça. Mais je pense que ça fait Jones. Mais bonjour à toi. Je t'ai invité, c'est bon, ouais. C'est bon, je suis là, je suis là. Alors, Apparemment, qu'est-ce je te vois qu'on. avec Ergan. Ouais. C'est normal? Egan, C'est pour le double saut? Parce que c'était qui d'autre sinon? C'était Kelsey? Non, oui c'est ça, Kelsey. Mais Bah quel sinon? Egan c'est pas le double saut, Egan C'est c'est parti. le mec qui stun au sol. Oui, non mais c'est ça que je te demandais, est-ce que tu l'as pris pour le... Ouais. Sachant que tu veux prendre n'importe qui, hein. Ah Moi bon? dans celui-là j'avais Warwick. Ah. Cygnus, ouais c'était pas ouf. Ouais bah Bah ça heal, c'est on pas va trop prendre mal. Egan, hein, on va prendre Egan. Ouais, c'est vrai que sur Les ce tournant zone il est orques. pas mal. Les orques méritent-ils de vivre? Eh bien non, La enfin réponse est non. ils méritent de vivre s'ils font pas chier. Et là apparemment ils font chier à vouloir nous défoncer. Alors, il me faut des crânes pour améliorer la barricade. Clean, c'est un truc que tu utilises pas. Le quoi? Clean, c'est un piège. Rembourse les trucs d'un piège que tu utilises pas. Ouais. Moi, j'ai tout dépensé dans les skins, je te dis, donc j'ai plus rien. Bah, le pilier de gravité, en vrai, je le mets pas. En vrai, Bah. si, c'est grave drôle, mais pour ce niveau-là, t'en as pas besoin. Ouais, c'est ça. Bah. Voilà, et les barricades bloquent deux espaces supplémentaires. Moi, je vois Enfin, le geyser ça bug, hein, d'acide, mais bon. leur truc qui bug. Quand tu scrolls, t'as les quatre qui vont n'importe où. Quand t'améliores des trucs. Les quatre quoi? Bah, par exemple, laser au plafond, 4, vu que j'ai amélioré 4 fois. Et du coup, Oui. quand je scroll, et bah, ça fait des. Y a des 4 qui volent. Genre, barricade, il est marqué 4, ensuite sol, et ensuite en dessous de sol, il y a un autre 4. Oh, c'est bizarre, j'ai C'est pas ce problème. Je crois que c'est le lanceur de lame de scie, il y a beaucoup de mots. Ça fait Bah, arbre à 3. rue géante d'abeilles tueuses aussi, il y a beaucoup de mots. Oui, mais tu l'as pas amélioré, ça. Non. Alors c'est quoi? Oh, scénario de guerre, je suis si déçu. Oh, scénario de guerre. Ah ouais, mais il y a plein de trucs rigolos en. Il y a le pâtisseur de plafond que moi j'ai pas perso. Non plus, j'ai pas. Fort de confusion, ok. J'ai plein de trucs que j'ai pas. Hein. Mais parce qu'il nous faut plein de crânes. Bah, moi, c'est bon, je pense. Oui, bah moi aussi je vais partir. Soufre, c'est quoi? Inflige des dégâts de feu aux ennemis et applique un dégât de feu au fil du temps. Alors ça, ce sera bien pour les mobs de givre.
Eh bien, let's go. Oui, bah oui. Hein. Eh bien, let's go. Défonçons ces orques. Du coup, pour rappel, on a déjà fait ce niveau, mais on s'était pas trop bien préparé. On met des barricades ou pas, du coup? Ouais. Oui, je vais protéger les barricades. Non, ce qu'on s'était dit, c'était que les barricades, maintenant, on peut les protéger avec les lasers. Du coup, ici, on peut déjà faire ça. Les gigantesques armées d'orques, gros malin. On va peut-être les mettre avant. Et maintenant, elles sont de retour. Kelsey a raison. Ok. Alors attends, il faut que je prenne les mares de goudron. Alors la mare de goudron à la place du trap. Normalement c'est bon moi. J'ai tout ce que je... Ah non. J'ai pas d'argent moi, je suis une giga clodo. Je peux pas. Ah non, attends, sinon ce je fais ça. Voilà. Placement efficace équivaut à une mise à mort efficace. Ah, ton monsieur est pas content. L'autre choix avisé par le grand Warwick. Warwick. Bah voilà, pour le moment, c'est tout ce que je peux faire pour toi. Du coup, il va falloir les défoncer par ici. Hein. Moi, je suis chaud. I'm ready. Allez. Aïe, aïe, aïe. Bonjour, très cher. Bonsoir. Bam. Bonsoir. Bonsoir, je vous casse la gueule. Tout va bien. Bon là ça va, la première vague de toute façon, c'est des petits kikis nuls. Oui, c'est pas trop compliqué. Oh, il y a des membres qui... Y a des membres qui sautent, hein. Ça gicle un peu. Toi, t'es gelé. Des cobalt. Un petit cobalt nul. Voilà. Bon, ensuite, de l'autre côté, ça va arriver. Voilà. Je suis partisan de mettre des trucs ici. C'est parti. J'ai du heal, hein. Au cas où. Ok. J'ai pris le truc de heal. La babiole, là. Celle-là. La délicieuse babiole. Alors. Donc là, ils passent par ici, mais vu qu'on a mis des barricades, ils peuvent pas monter en haut. Monter en haut. C'est ça. Du coup, c'est pour ça qu'on va protéger de ouf ici, comme ça. On va pas pouvoir venir. Ok, ils passent tous par ici. Faut que je mette. Faut peut-être que je décale un laser. Donc j'en mette un troisième, je sais pas. T'en mettre un troisième, ça serait plutôt pas mal. Là, les lasers, ils sont bien placés pour s'il y a des mecs, des kobolds qui explosent. Ouais. Le problème de ce niveau, c'est que ouais, il y a des machins qui viennent courir et qui s'explosent. C'est que j'ai pas envie qu'ils passent par l'interstice pour venir péter tes barricades après. Je sais pas s'ils esquiveront. Non, je pense pas qu'ils peuvent. Enfin, si t'en rajoutes un autre, c'est bon. Oh là là. Ok, on n'a pas le temps. Au pire, je remets un laser, mais moi, ils sont pas... Ah si, ils sont améliorés, mes lasers. Tu le fais ? Ouais. Ah merde, ça fait un trou. Oh non, pas là. Alors comme ça. Ah merde, bah du coup, je peux pas l'enlever. Oula ! Attends, on va voir si ça fonctionne. C'est sûr de fonctionner. Parfait, ça fonctionne. Les kobolds se font exploser. Bon, bah maintenant, je vais bourrer mon coin, moi. Bourre ton coin. C'est cool les lasers, j'aime bien. Vous avez déjà dit que j'aimais bien les lasers dans les jeux ?
Je suis pas dans sûr. Dans les airs. Là. Allez, rentrez chez vous, là. C'est le mana, allez, allez, voilà. C'est pas visé ce truc. Comment ça? L'autre il tapait la barricade là. Il était dessus. Petit connard. Il pouvait pas s'enfuir du coup. Je suis piégé, bah du coup je préfère retaper la barricade. Mais c'est ça, il était dessus du coup il pouvait pas partir donc. Bah voilà, ça se met bien là. Bon. Bon, en vrai ça fonctionne. On va mettre les... Ça va se faire bien sûr. Plus d'ennemis arrivent. Peut-il, plus d'ennemis. Il y a des mecs. Oh là, il y a un truc qui m'a explosé à la tronche là. Ouais. Me cherchez pas. Ah, les fameux golems de terre qui saignent. Hein. le fameux sang de caillou. Le sang de la terre, le sang de la veine. Putain, ton incinérateur, il va loin. Ouais, bah je l'ai amélioré. Quoi? Il y en a deux qui sont passés. Bah dis donc, Aurore. Mais t'es sûr qu'ils sont passés de chez moi? Bah oui. Moi, ils peuvent pas passer de toute façon. J'étais devant, comment j'ai pas pu les voir? Et des mini kobolds peut-être? Bah, pourtant, viens voir le nombre de lasers qu'il y a. Ah, je sais pas. Hein. Ça doit être forcément des orcs. Bah. Ah. Ah, ou c'est peut-être... ils sont peut-être passés par... Ah merde alors. Bon, on tente le... C'est par où, par là? Je les ai bum peut-être. Je sais pas. Je les aime bump par-dessus la barricade. Ah, tu veux qu'on recommence ou pas? Oui, vas-y, en vrai, on va essayer de faire un perfect quand même. Allez. Allez, allez, on aime allez, le perfect. Gens, on a trouvé le. Une bonne combi. Le bon bail. Le bon bail. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Maître Cygnus l'aurait banni de l'ordre. De ce qu'il pourrait faire. Alors, quel était le but de cette histoire déjà? Les gigantesques armées d'orques, gros malin. On gros malin. Depuis l'époque de Maître Cygnus et Warwick. Et maintenant, elles sont de retour. Kelsey a raison. Ces nouvelles failles rouges rassemblent de plus petites factions orques pour créer des armées jamais vues depuis l'époque de Warwick. On s'en occupe, sorcière. C'est parti. Allons les piéger. Ok, bon, bah, si c'était moi, je vais faire attention du coup à les bumps. Même mettre des protections en haut. Les au cas où. Préparent une percée de l'une ouais. De nos portes. Ils ont fait une percée via une porte. Il est raté de nous tirer dessus là. Notre clodo arbalétier. Oui, les arbalètes c'est chiant, ça nous tire dessus. Ouais. Oh là, l'ogre, j'ai vu, il a bugué là, il a marché à moitié sur 5 orques et du coup il était. Je glisse. Attention, il y a des petits kobolds, hein. C'est bon. Oui. Nice. Alors. Ah, c'est bon, t'as mis un troisième. Ouais. Voilà. Ça va les prendre au dépourvu. Farpé. Voilà la longueur. Ah oui, ça tire. Ah oui. Ça envoie loin. En effet. Tu peux enlever mon piège à pic hein, à un moment si tu veux mettre mieux. Plus d'ennemis arrivent. Oui. C'est parti pour un remake encore d'une maison de fête foraine là. Oui. Avec tous les lasers, la délicieuse lumière. Alors. En sens des élémentaires, donc ça serait. T'as ça, faut que j'achète, parce que c'est vachement bien en vrai. Hein. De quoi? La portée du truc. Incinérateur? Ouais, ouais, c'est pas mal. Bah, ouais. Tant qu'il n'y a pas de mec de feu, c'est pas mal. Ah, c'est cool, je sais pas si ça fait vraiment très 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 mal.
Ok. Parfait. Allez. Je vais rajouter les incinérateurs. Ça ira. Cygnus n'a jamais été aussi bon que moi dans ce domaine. Plus d'ennemis arrivent. Ouais, ça au cas où. Ces sapeurs iront droit vers les barricades. Donc ils sont rapides et ils ont des bombes sur le dos. Ah bah. Oh non. Allô. C'est le jeu qui a freeze. Ça a dit que t'avais quitté. Ah mais c'est pour ça que j'avais pas posé les pièges. Ah shit. Ok. Attends. J'ai switch de connexion comme ça. Aïe aïe aïe. Il y aura pas de coupure. De coupure. Ok. Bon. Où est mon chargeur de tel. Au moins que c'est pas arrivé à la fin parce que... Pour la peine, je vais faire de l'harmonica. Et après, maintenant, je fais du kazoo. Maintenant, je fais les deux. Finir par y arriver. Au secours. Au secours. C'était quoi ça? C'est du kazoo harmonica, mais c'était un peu compliqué. Se sont sortis des enfers. Sortis des enfers. Faut que je te réinvite du coup. Oui, attends un peu. Ok. Vas-y. Normalement, tu peux. J'ai rien reçu. Attends, c'est parce que je suis dans le jeu et pas sur l'écran de... Vas-y. Je vais relancer. Je te vois pas. Je te vois en ligne et pas dans le jeu. En ligne et pas dans le jeu. Ouais. Ah bah ça, c'est... Je peux rien y faire parce que je suis dans le jeu, donc... je peux quitter le jeu et le relancer. Non, c'est moi, je suis en invisible. Trop tard. Je sais pas pourquoi il me mettait en invisible, mais... C'est bon. Ok. C'est bon, je te vois. Je t'ai envoyé. Je suis dedans. Ok, parfait. Eh bien, let's go. Let's go les boys. Allez hop. Peu de temps après cette bataille, Vorwick disparaissait. Il y avait des rumeurs selon lesquelles maître... Vorwick disparaissait, mais je joue avec qui? Avec Vorwick. Waouh. Vous pouvez parler de moi, mademoiselle? Quel était le but de cette histoire déjà? Les gigantesques armées d'orques, gros malin. Gros malin. Je sais pas c'est quelle voice actrice, mais elle me dit quelque chose. On dirait vraiment une voix de dessin animé. Tes souhaits. Aucune idée. Tes souhaits. Merci. Tes souhaits mignons. Piou, piou, piou. Arrête la porte. T'as tout cassé la porte. Déjà tous morts. Oui. Ils se font spawn kill là. Oui. Voilà. Toujours délicieux. Ah, attends, les kobolds. Moi, il faut que je les bute moi-même. Oula. Voilà. C'est bon. C'est good. Ici. C'est parti. C'est bon. Plus d'ennemis arrivent.
Nos ennemis font une percée. Mais il nous dit de pas tirer sur la porte, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il tire sur la porte, c'est pour voir s'il a perdu vraiment de la vie, mais en fait non plus. Non, non, c'est pas nous. Boum boum. On n'y arrivera jamais. Les orques qui parlent et c'est rigolo parfois. Souvent. Ils parlent pas tout le temps, ils parlent en réponse à certains pièges, j'ai l'impression. Pièges ou quand ils se font, ouais, quand ils se font jarter en l'air ou des trucs comme ça. Ils sont rapides et ils ont des bombes sur le dos. Oui. Sympa. Ils ont mis de l'âge, monseigneur. Voilà. Gaffe avec mes bombes du coup moi. Là de ton côté? Ouais là je suis un peu en train de reculer mais je suis en train de les achever. Tu veux je vienne? Non c'est bon. Okay. Voilà. Ensuite, il y en a encore quelques-uns dans les escaliers. Faut pas mourir, comme ça on aura un crâne en plus. Ouais. Bon, bien. On a toujours pas le temps de se reposer. C'est ça le truc. Voilà. Plus d'ennemis arrivent. Les petits connards explosifs. Oh bah eux jamais ils passent. Hein. Merde, j'ai mal mis. Des petites merdes explosives? Ouais, jamais ils passent chez moi. Très bien. Non plus, je pense qu'ils passent pas chez moi. En plus, je leur tire dessus donc. Tu vas me tirer dessus, toi? Moi? Non. Toi, ça va. C'est plutôt saïf. Ah, je crois que c'est quand ils sont dans le goudron, ils disent on y arrivera pas. Ils sont en train de galérer dans le goudron là. Ils sont en train de galérer à marcher là. Oui, petite merde. Petit scout cobalt qui se font des glingues. Je suis chiant, les éventaires de terre à rush comme ça là. Ouais. Ça va piquer. Parfait. Ah voilà, j'ai trouvé. Alors. Mieux mettre mes trucs. Du gel. Je le sens bien. Du gel un peu partout. Là. On va mettre un pic là. Prêt? Moi je suis prêt. Ah, je vois qu'on aime bien l'acide. Ouais. Et là je vais mettre des archers pour achever les petits cons qui passent. Ah oui, bien. Mais bon.
Oui, la suite est sympathique. Ah, il y a une nouvelle, nouvelle porte. Les ennemis attaquent sur un autre fort. Ouais, poilé, poilé, poilé. Ils font une percée par une autre porte. Ils arrivent. Ce qui est marrant aussi avec les kobolds explosifs, c'est que ça fait des dégâts sur les leurs alliés aussi. Ah, je sais pas. Du coup, les faire péter. Et bim, crevez tous. Oh là là, ça c'est délicieux par contre. Et alors on meurt ? Voilà, j'ai tiré sur les mecs explosifs là. J'ai des giga explosions partout. Ok, parfait. Bon, il y a des cadavres qui bougent, ils sont en mode on bug. J'ai mis des lasers ici. Voilà. Parce que ton équipe passe quand même. Hein. J'y crois pas, ça a marché. Ok, maintenant je m'amuse. Parfait. Tu me dis si tu en fais la de vie. Hein. Oui. Non, j'ai aussi ma relique de soin. Hein. Ah bon, bah ça va. Je vois des morceaux parfois qui giclent. J'ai peur qu'ils passent. Parce que je vois que mon incinérateur parfois il soulève les gens et peut-être ah merde. Que ça, ça envoie. Ça le fait jamais hein mais. Bon bah on est bien là. Bon, pas mal. Merde. Voilà. Oui, un rond. Alors. Plus d'ennemis arrivent. Oh non, je me suis fait one shot. Oh non, le crâne. Ah, je me suis fait one shot par trois kobolds qui sont implosés sur moi. Pourquoi t'étais si proche? Bah je posais mes pièges, j'en avais pas le temps de poser mes pièges. Ah t'es... ils t'ont chopé de dos comme des salsas. Putain, j'ai vraiment le seum. Bon ça va, c'est pas très grave mais... chiant, un crâne. Ouais. Là il y avait vraiment... c'était vraiment une horde de... de connards explosifs. Horde de connards explosifs. Beaucoup de monde là, hein? Oui, mais moi je vais venir. Ok, parfait. Ah, salut Minsk! Comment que vas-tu? Bonjour à toi! Ça brûle, mais aussi ça lasérifie. Ça fait plein de choses. Et ça acidifie. Et ça gélifie. Ça chaînifie. Plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses, par ici. Ok. Eh bien, on va continuer ça. C'est rigolo. Hein. On aime bien quand ça fait ça. Dernière vague, easy. Non. Quand j'entends ce bruit, moi je me cache. Ah, bah ouais, putain, j'ai trop le seum. Je me cache derrière mes. Derrière mes trucs. Les incinérateurs là j'en fais collection hein. C'est délicieux hein. Oui, c'est... Moi je vois en front lane là c'est pas mal. Ah avec c'est bien bang. Trucs de goudron, c'est parfait. Ah bah oui. En plus tu gèles les mecs dans les rayons. Oui. Avec mes canons. Le gel là c'est... ouais. Ouais non mais là c'est ton fer de piège. Ah bah on est là pour ça hein. Regarde, t'arrives là et clic droit, hop là, tout le monde est gelé. Hop, des dégâts d'AOE de gel là.
parfaitement parfait. Voilà, allez. Quelqu'un d'autre veut négocier ? On va mettre ça. Bon, je vais laisser mourir. Tellement de pognon. Je vais mettre des pièges. Tiens, viens avec moi, toi. Bah, il est mort. Voilà. Attends, tue pas le dernier. Je ne sais rien. Oh, déjà fini ? Ah bah ouais. Et on a beaucoup plus galéré la dernière fois. Hein. Comme quoi, quand on met le bon piège... Comme quoi, quand on réfléchit, c'est cool. Voilà, les 5 crânes. Et plus 7 crânes, allez hop. Ah, je peux en acheter des trucs. Ah, ça fait des plaisirs. Campagne. Attends, du coup, c'est quoi cogneur de plafond ? Celle-là, on avait 3. Ouais, ça tabasse les gens, c'est rigolo. C'est un peu comme les poussoirs, sauf que dans les couloirs, c'est plus utile. Je vais me l'acheter, tiens. Parce que la difficulté, c'est difficulté normale. Mage de guerre. Après, on a jamais fait Seigneur de la Faille. Merde, il use le piège. J'ai la baliste automatique, mais bon, je trouve qu'elle tirait pas très vite. On peut faire la forteresse secrète. On a que 3 crânes. La forteresse secrète. C'est l'endroit où... Il y a un pont-levis. Avec deux... Bon, tu verras quand... On vient de ça. Surtout, il y a quoi comme mob ? Comme mob, il y a des orques, des ogres, des machins qui vont vite, et des machins qui vont vite, éclaireurs qui explosent. Vas-y, lance, de toute manière, au début, on peut voir... Oui. On va pouvoir voir les ennemis. Voir quelle pool de trucs je prends. Quelle pool ? Tu te souviens de celui-là ? Sorcière, ce truc que vous avez dit là... Alors ? Eh bah maintenant, en plus, on a les poussoirs, on peut les utiliser. On a les bumpers. Tu te souviens pas de ton enfance ? Ah, tu veux pousser les mecs ? Ouais. On va pas utiliser de barricade, je pense. Attends, ils servent à quoi les escaliers là ? Non, c'est pas de la chance. Certains d'entre nous doivent travailler pour utiliser la magie. Toi, ça arrive comme ça ? Pour l'instant, nous n'avons pas le temps pour ça. Vous avez du travail à faire. Ok. Donc ici, c'est juste pour poster des archers ou se poster nous. Ok, bon, bah effectivement, hein. Ah oui, avec les délicieux broyeurs sur les côtés. Oui, on se disait, putain, on n'a pas de truc poussoir. Lance pas, hein. J'ai sans exprès fait G, mais... Alors, effectivement, il y a des trucs qui courent vite, qui sont chiants. D'accord, bon, ça devrait le faire. Alors attends, déjà, j'ai pas besoin de l'acide. Je vais mettre des poussoirs avec toi. L'acide, c'est bien pourquoi ? Pour les gros mecs ? Oui, puis j'ai l'impression que ça fait mal. Par contre, avant... Ah attends, ils passent par où les mecs ? Il y a plusieurs portes, là. Passe par en haut et ensuite ils vont passer par ici là où je suis. Par où ? Là. C'est bien. Ils passent par là et ensuite ils vont là et ils remontent là. Ils remontent. Ah ! Je vais pas pouvoir mettre de laser pour les petits connards par contre. Je peux en mettre ici. Oui. Vas-y, fais là. Mais. Ah bah, on va faire sur l'économie, hein. C'est bon. Allez. On va commencer comme ça. Allons-y. On avait que 3 crânes sur ce truc. On n'a pas eu celui de la vitesse. Et il y en a qui sont passés, ouais. Est-ce que c'est plus simple à deux ? Vu que vous avez deux armes. Bah non, parce qu'il y a plus de mobs. Non, c'est pas plus facile. Il y a plus de mobs, mais c'est plus sympa vu qu'il y a plus de pièges, il y a plus d'explosions. Calme-toi. Ah, oh là. Il y a déjà des explosifs. Oui. Oui, les petites merdes. Ah, c'est les cobalt pour ça. Putain, il y en a un qui est passé.
Rentre chez toi. Ok, maintenant le côté. J'ai pas assez d'argent vraiment. Bon bah les lasers, faut que j'en mette plus. Ils arrivent faire où de l'autre côté? Ouais. Ah merde. Hop comme ça. C'est bon? Ouais bah là on a pas trop de pièges du coup. Ouais bah ouais mais bon. Ah si je peux mettre des lasers ici, bon là j'ai pas d'argent mais... On va s'en faire de la thune. Il va pas exploser. Ça se vient des scouts. J'essaie de lutter mais... Attention y'en a qui viennent aussi. Je sais. Ah. Merde. Donc là on refait un niveau qu'on a fait mais on essaie de le perfect. C'est ça. Essaye. Il y a encore deux clodos ici, là. Ok. Oh là là, mais j'ai pas d'argent. Terrible. Ça ira. Plus d'ennemis arrivent. Alors, je sais qui. Voilà. Là. Il y a plein d'orgues en armure. Ah ouais. Je pense que la site ça passe outre les armures justement entre autres. J'espère. Fallait pas me chercher. Putain, quand ils sont en glace, ils prennent tellement cher, ça fait x4. C'est vraiment bien quand tu gèles les grands. Oui. J'aime faire ça. Tiens, j'emmène l'ogre avec moi. Fais gaffe. C'est bon, je l'ai buté. Oulala, oulala. Il commence à faire les kikous là. Les petits fifous. Allez hop, rentrez chez vous. Ah bah yon. Bon. Fouf. Je le sens bien. Alors maintenant moi j'aimerais bien foutre des trucs en bas. Alors. On va mettre des bumpers ici. J'ai pas assez pour mettre d'autres trucs. Est-ce que tu veux un autre bumper peut-être? Ouais, tu peux. En vrai, ce piège-là, il sert à rien. Comme ça sera gagné de l'argent. Quel piège? Un piège à flèche, mais au niveau des lasers. Genre... Ah bon, ouais. Mais hein. Tu mets plus loin, parce que les mecs, ils s'y créent dans les lasers, c'est dommage d'avoir utilisé tes flèches pour ça. Ouais. Bah, let's go. Oui. Tiens. J'ai mis un autre bumper. Ok. Ah, il pop par où en premier? En haut. Viens, on passe par le portail. Ah, y'a des mecs qui vont exploser de l'autre côté. J'y vais. T'inquiète, je m'en occupe. Ah merde, tout est descendu. Hop.
C'est qui le maître maintenant? Pump. Oui. Ah oui, c'est moi qui dis. Non, c'est moi, oui. Ou c'est toi qui dis ça? C'est toi, je pense. Et eh ben alors on bump. Oh, il est parti dans le hachoir. C'est si bien. J'ai rajouté des bumpers, c'est vrai que c'est super drôle en vrai. J'ai en mettre plus. C'est bien, trop bien. Oh, il y a plein de thunes. Plein de sous, poussez-vous, moi aussi je veux l'argent. Oui. Elle a tout pris. Non, il en reste un. Ah, le décès. Bon. Ok. Là, je voulais rajouter des trucs ici. Plus d'ennemis arrivent. Ils arrivent par où des deux côtés? Ouais. Oh merde. J'ai un ogre en armure ici. Parfait. Attends, s'ils veulent me poursuivre, moi je vais vers Bumper. Hein. Il veut plus. Il n'est pas drôle. Oh là là. Oh là là, Aurore. Ouais. C'est les gros mecs qui gênent. Qui font chier entre autres. C'est si dur. Ok, c'est bon. Ah mais du coup on a pas perfect là. Non. Bah non, malheureusement. Bon bah on finit pour récupérer au moins des trucs. Mais... peut-être aller gagner le truc de vitesse. Voilà. Mais c'est vrai que ici là c'est pas du tout protégé. Quoi. Ça va les prendre dépourvus. C'est plus là en vrai qu'il faudrait protéger au début hein, plutôt que. Ouais. Limite, faudrait bloquer. En fait, faudrait bloquer une. Faudrait bloquer là. Ou alors, tu mets juste une. Bah non, ils vont exploser okay. Avant les trucs de barricade. Je veux dire, tu mets une barricade, mais pour restreindre le passage et pouvoir mettre plus de lasers à la suite. Tu peux mettre un piège à ressort pour lancer les orcs sur les autres pièges à ressort. Tu peux mettre un piège à ressort pour ranger les sorts sur les. Oui, tu peux. Tu peux faire des pierres à ressort. Ouais, tu peux faire des. Alors, tu peux bumper ici pour que ça se bump là-bas, là. Les autres. Bah, j'ai oublié qu'on avait les trucs ici, là. Les trucs de lave, mais bon. Non, c'est toi. Ouais, ici, ça manque de protection, hein. Ah ouais, mais clairement. Je me demande si les pièges... Faut que je relise la définition des pièges d'acide. Pour les mecs en armure lourde, et faudrait, ouais, c'est cet endroit là qu'il faudrait blinder en fait. Ah bah ouais. Genre en bas, je pense que ça sert à rien. J'ai mis 3 lasers en bas, mais bon. Ouais. Je suis pas sûr qu'ils servent à grand chose. Je suis d'accord. Ça sert un peu, mais. Peut-être mieux à faire. Plus d'ennemis arrivent! J'ai pas l'argent. Je
Je vois à moitié des orques qui s'envolent là. Très drôle. Hop voilà. Ah d'accord, mais ça cause des trucs en feu. Enfin, ça cause des chaudrons. Des fois, je les vois en feu, je fais attends. Ça ah ouais, c'est les chaudrons. Et alors, on brûle ? Ouais, c'est vraiment ici, hein, faut les. Et faut en les vrai, niquer, si, on vraiment, si on voudrait vraiment opti, faudrait que je mette les pièges qui peuvent l'être en feu et tout. Je pense que ça va partir sur un truc comme ça, hein, parce que genre les archers de feu. Ouais. Ouais, ouais, totalement. Et mes pièges. Les pièges à fléchettes de feu. Parce que là, ils transpercent les ennemis, mais je pense que le feu sera plus efficace contre eux. Les... Si on reste ici et qu'on les défonce. Voilà. Alors attends. Et en effet, le feu, c'est. Le feu, c'est la vie. Les bumps aussi, c'est rigolo. Plus d'ennemis arrivent. Je vais les bumper là-bas, moi. Ouais, je le sens bien. Faut qu'ils se cassent la gueule là-bas. Non, en vrai, il y a les trucs ici. Il y a vraiment moyen de faire un truc rigolo en bloquant complètement cet endroit-là. En les forçant à faire tout le tour. Et ensuite, tu les bumps. Oui. Oui. Ah bah il se prend le mur. Oui. On va pas aller dedans. Voilà. Oh je vois un orbe là-bas en armure. Oui, il est en PLS. Y'a tout qui s'ouvre là. Oui. Man boule de feu. Hop. Mais il est encore là-bas lui. Non, c'est un autre. C'est un autre. Quoi lui? Ah bah c'était la dernière, j'ai même pas vu. Ah bah putain, on a laissé passer trop un moment, ouais. Ah ouais, c'est dommage. Les lasers que j'ai mis en bas. Les lasers que j'ai mis en bas, on n'aurait pas dû les mettre. Enfin, j'aurais pas dû les mettre. Tu veux qu'on réessaye du coup ou tu veux qu'on fasse un ouais, autre? Ouais, vas-y, relance. J'ai mieux replacé les pièges. Et je vais échanger mes trucs à pic contre de l'acide. Ce truc que vous avez dit là, comme quoi je serais né avec des pouvoirs magiques innés comme Vorwick. Après j'ai le co... J'ai le... Putain, à chaque fois j'appuie sur G pour lancer la horde au lieu de D pour mes affaires. Je me souviens. Ouais, il se passe des trucs comme ça avec moi. Le bon timing et un peu de chance, hein. Non, c'est pas de la chance. Certains d'entre nous doivent travailler pour utiliser la magie. Toi, ça... Cogneur. Alors, en vrai... Vous avez du travail à faire. Voilà. Ok, j'ai des idées. Oh là, tu mets une barricade ici. Et une. Les sapeurs, ils arrivent par là aussi, non? Ouais, ouais, il y a des sapeurs, c'est ça qui est chiant, mais. En fait, j'aimerais bien mettre une barricade comme ça, là, tu vois, là où je suis. Comme ça, ouais. En fait, tout le monde doit passer ici. Et là, ensuite, on met des poussoirs et tout, et s'en bat les couilles. Marrant, non? Est-ce que t'as le poussoir? Non, mais j'ai les bumpers. Moi non plus, je l'ai pas. Peut-être le poussoir sera plus opti pour ce genre de truc. À quand la POG? Et t'as pas l'argent, c'est ça? Non, il manque 100. Donc je l'aurai bientôt. Bah après. Oh, attends. Moi je vais commencer à blindax ici quand même. Vas-y. C'est quoi la POG? Play of Game? Ah bon, tu parles? Non, Cruzes. Ah! Très bien. En avant. Oh merde, t'as lancé. Attends, oui. J'avais pas fini. T'inquiète, c'est pas grave. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est le truc du jeu, tu peux te le faire tout seul. C'est vrai que c'est la première fois qu'on voit les ogres en armure. J'ai pris les attaques éclair, moi j'ai pris...
de l'acide. Ah, t'as de la thune au sol. J'adore faire ça là. Tout le monde autour de moi meurt là. Voilà. Oh, y'a un crâne. Eh ben, on crache pas sur les crânes. Non. Faut pas. Et que tout le monde meurt, explosé là. T'inquiète, ils vont se faire pulvériser par les... gardes. Bon bah alors, on a du mal. Ok. Vas-y, moi j'en profite pour en mettre quelques flèches dans la gueule. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il va où? Ah bah ça y est, il s'est rendu compte qu'il pouvait pas passer, alors il fait le tour. Ah parce qu'il veut nous attaquer, du coup il... Regarde, il hésite. Lui il galère. Il arrive pas à passer avec son gros derche. Ok. Bon, faut juste péter alors... les petits connards qui bombent, mais qui... Je vais mettre... Alors là je peux pas. Attends. Je vais enlever des lasers, ici. Et je vais en mettre un... Ouais, ça a l'air bien. Ah mais non, le truc c'est que tes barricades... Pas bien. Comment... Je veux bien mettre un laser ici, mais ça tuera pas toutes les bestioles qui veulent exploser, je pense. Bah c'est surtout en fait ici là qui... En bas, mais... Mais au pire, moi je les focus, hein, les mecs en bas, je peux en mettre des lasers, hein. Vas-y, bah tu peux en mettre... ouais. Je vais mettre un au centre. Mais c'était l'erreur de tout à l'heure, hein, de mettre des lasers en bas. Ouais, je suis prêt. Plus d'ennemis arrivent. Juste pas qu'il y a des sapeurs. Pas les ennemis attaquent sur un autre front. Je pense que notre erreur, c'était de trop focus. La première porte. Et pas assez de les geler. Tiens, il y a des sapeurs. Ça, par exemple. Je vous entends. Tiens, sapeur. Sapeur, voilà. Les pauvres scouts, ils comprennent pas qu'ils peuvent pas passer par là. Les sapeurs sont passés normalement. Sont passés. Ah, ça reste des orques. J'ai dit ça y est, enfin la vague est passée. Ah oui, d'accord, c'est oui. Que des orques. Je crois que tu me disais que les sapeurs étaient passés, j'étais en mode bah non. Non, non, non. En plus, là, on a beaucoup plus le temps de les gérer, eux. Je pense que c'est une bonne idée. Oui, du coup, oui. Oh non, la fiole, elle est tombée dans les... Dans les... Explos... Dans les... Crunch crunch. Dans les crunch crunch. Plus d'ennemis arrivent. Ah non, hein. Les sapeurs sont pas vers moi, je crois. Non, ils sont là. Je vais venir avec toi. Non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. J'aime vraiment pas le feu. Hein. Et bah alors, ça brûle ? J'aime bien me mettre sur les barricades, comme ça ils sont à moitié en train de bugger, là. Aïe. Ouf, tu l'as défoncé. Oh mais du coup je peux me mettre. Aucun orc qui passe par là. T'as assez de poussoir de l'autre côté ou tu veux que j'en mette après? Ouais ouais, t'inquiète, t'inquiète. Parce que pour le moment je suis surtout sur les pièges de goudron en fait. Vas-y vas-y, t'inquiète. Je m'occupe de là-bas. Oh là là. Bah alors monsieur, on bug. On galère. Bon, il reste un mec, je te le laisse. Je vais finir de mettre mes pièges de goudron. Non. Voilà. Là faut que je mette des pics. Quoique en vrai non, ils sont bump. C'est comme ça que ça se passe. Bon, ça c'est très rigolo. Je suis très content. Je suis très content, j'adore ça. J'adore, c'est un délice.
Voilà. Ah, j'ai encore de quoi placer un piège de goudron. On va le mettre là. On va mettre une meuf, mais elle est... Bon, normalement, en bas, les trucs de explosifs devraient être à moitié crevés. Je pense que ça devrait être pas trop mal. Ah oui, parfait. Il manque encore un piège de goudron, mais après, ça sera bon. Ah oui, on est sur une qualité... Ah, on est bien, là. Moi, une qualité de bumper. Moi, je suis content. Lohan content. Après ici il faut que je blinde de trucs d'acide et de laser. Oh là là, en bas, ça va. Attends, les touche pas, on voit si ça si passe ou pas. Non, ils peuvent pas passer. Bon, normalement c'est pas mal. Très bien. Pas bien Captain Aurore. Très bien Captain Aurore. Tous nos ennemis décèdent. Oh là là. Merci énormément, Cruzes, pour ton abonnement. Waouh. Oh, c'est si mignon. Merci énormément. Charles. Incroyable. Au secours. Non, ça va bien, tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Ces sacrifices sont pour toi, Charles. Et du coup, maintenant, c'est ces orques. Ces orques pour toi, regarde. Tu es un Pout-Pout Junior, du coup, normalement. Tu as la petite patoune. Oh, c'est un junior, maintenant? Ben, je pense, ouais. Essaye de parler, Charles. Pourquoi c'est pas un bébé? Ah non, un bébé, enfin le tout premier là. Non mais. Oui, c'est un secours. Bébé. Au secours, t'inquiète. Au secours, il passe. J'ai plus de mana. J'en ai encore un peu, voilà. Ok. Ok. Quand tu te colles à la faille, ça régène plus vite ton mana. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que j'ai fait, moi. Voilà. Tu veux prendre le la thune ? Ouais. Okay, ah bon. Non, ton canon à neige, il me... Non, c'est bon. Enlève le. Là, il me gêne. Je l'ai mis quand j'ai eu peur. Plus d'ennemis arrivent. On va le mettre là, comme ça. Ok, ils sont en haut, les petits connards qui explosent. Heureusement que tu mets tout de feu, hein. Sinon j'y pense jamais. Ouais, t'inquiète. Merde! J'ai sauté dans les orques. Aïe, laissez-moi tranquille! Et les petits connards? Ouais, mais ils passeront pas. Hein. Ok. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Ça s'est cassé? Oui. Aïe aïe aïe! J'ai de régène mon mana. Mais... Ok. Wouah! Oh, c'était chaud patate! Ah putain, quand ça c'est que la barricade a cassé? Il y a eu des connards qui ont explosé. T'as vu d'où ou pas? Ouais, ils ont fait le tour et ils ont pété la barricade. Il y avait ouais, tellement de monde. Côté. Du haut. Ils venaient du haut. Je peux mettre des lasers. Je peux en mettre que. Ça, je sais pas si c'est très worse. Le truc, c'est que pour chaque truc de laser qu'on met, il faut que je mette des trucs de goudron. En vrai, je vais en mettre que 3. Voilà. Ouais, et moi je vais mettre un canon à neige ici. Je vais en mettre un en bas. Quoique le canon à neige fait pas si mal. Il faudrait le mettre là où on est. Je sais pas si le canon à neige ça soit utile pour les petits. Ouais. Faut que je le mette là où on est. Nous. C'est bon, tu l'as enlevé celui du bas? Ouais. Non, celui. Du haut là? Là-bas? Non, c'est bon. Non, c'est bien. Et ici, j'aimerais bien mettre des incinérateurs en vrai. Quand j'aurai la tuche, je mettrai un dernier truc de goudron ici, là. Histoire de compléter l'affaire. Ok. Plus d'ennemis arrivent. Ouais. Faire attention. Allez. Oh, l'ogre, il s'est fait bully. Ouais, il s'est fait bully. Il s'est fait cyber bully dans la vraie vie.
Ok, j'ai tué la grande armure ici. Ok. Bien, tu viens là comme ça, ils font « Oh, moi taper là-bas !» En oui. fait, non. Oh, y'a plein d'ogres. Elles sont chiants, les ogres en armure. Hein. Oh, ça va se finir la faille encore. Non, ici. Facile. Regardez-moi ça comme c'est simple. Heureusement que je fais saigner, hein. Je vois le, de temps en temps leur vie qui descend un peu à cause du dot. C'est bon? Ouais, ouais, easy. Oh, je les vois sur la carte, il faut... Ok. Il y a de la thune en bas. Tu peux aller la prendre si tu veux. Voilà. Café. Ouais, non, c'est compliqué. Attention, il y a des pièges. Je vais mettre là, ici, comme ça. Ce qu'ils ont dit ? Ouais. Attention, il y a des pièges. Ok, et ici. Espérons que ça marche. Ah non, c'est les bumpers. Non, bumpers. Ok. Regardons comment ça se passe par ici. Il y en a qui ont été bump. Ça, il est mort. Mais ils sont dans le mauvais sens. Non, parce que comme ça, s'ils viennent ici, là, ils se font incinérer aussi. De l'autre côté. Okay. Attention, ils passent. On va essayer d'épurer un peu là-bas, là. C'est tellement drôle quand ils se font bum. Calme-toi, toi, tu veux quoi? Voilà. Bah alors, on meurt? Bah alors. Voilà, et puis, pourquoi pas les bum par ici. Allez, dernière vague. Il faut pas que... Les exploseurs explosent. Les exploseurs explosent. Oui. À bon entendeur. Je sais pas pourquoi, je peux pas mettre de laser. Oh, tant pis. Ah, les petits connards! Oui, mais impossible qu'ils passent. Je les entends! Ah, waouh, 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 waouh! Et bah alors... Ça va, y'a pas l'air d'avoir de. On brûle? De méchants explosifs. C'est ma maison là-bas. Je vole. Effectivement, ils sont en galère devant la barricade, du coup c'est pas mal. J'ai une pure idée. On va les renvoyer dans leur patelin. Bon, de toute façon, là, normalement c'est bon là. Une pure idée. Oh non, non, normalement c'est fini. Parce que ici, là, tu mets des bumpers là sur les côtés. Ah, je me permets de l'achever pour avoir le truc de vitesse. Mais... Ouais, de toute façon, on l'a déjà. Sinon, je l'aurais bien laissé. Galérer. Oh. Bien joué. Ah. Arthur, on n'a pas eu le truc de vitesse. Ah, voilà ce qui nous manquait. Parfait. Oui, c'est bon. Oui. Ok. Bon. Est-ce que je peux améliorer quelque chose? Voilà, on a quand même pas mal de crânes. J'ai 31 là. Un
point, point, point. Ah, c'est vrai que mais les lames de scie, ça fait des dégâts. Ça fait saigner maintenant. Ah, mais attends, ma biole de recharge, elle est pas augmentée. Ah, faut que je l'active, merde. Ah. J'ai jamais activé une seule fois. Alors, c'est quoi ce truc? Ah non, la cour de maître, elle était horrible cette map. On avait eu que. Non, ça va pas compter les 5. Les 5 crânes de la forteresse secrète. Ce qu'on vient de faire, ça va pas compter les 5. Quoi donc? Les 5 crânes. On l'a eu tout à l'heure. Ouais, mais ça va pas compter. Bon, c'est pas grave. Ah, oh, effectivement. Ah oh. J'ai la flemme de le refaire. Non, on fera plus tard. Mur de flèche, c'est pas mal quand j'ai rien à mettre. Ah, du coup, il faut. C'est chelou, ça combotte. J'ai envie d'aller aux toilettes, je reviens. Vas-y. Cimetière dragon, c'est un autre guerre, on a eu que 3. Pourquoi? Ah mais la cour de maître elle était chiante parce qu'en fait il y avait 3. En fait il y a 3 il y a 3 endroits où ils spawnent et il faut qu'ils aillent au milieu. Du coup eux ils vont comme ça. Et eux ils font ça et eux ils font ça. Donc en fait enfin, eux ils font ça et ça aussi. Du coup c'est un peu galère. C'est un peu galère. En plus il y a des machins de feu. Donc toutes nos armes de feu servent à rien. Je crois que même pas qu'on puisse changer l'incinérateur. Le sable au mur augmente la portée, ouais. Il n'y a pas de. L'incinérateur fait des dégâts de givre. C'est un peu chaud. Parce que admettons ici on bloque là, donc eux ils peuvent que aller ici. Eux il faut protéger là quoi, protéger ici et là, c'est chiant. Alors, sinon il faut mettre des barricades ici quoi, mais ça, ils font ça, mais les barricades ça coûte si cher, c'est chiang. Me revoilà. Est-ce que ça te dirait de refaire le Colisée? Avec délice, j'adore mourir. alors attends, le Colisée, les trucs de feu. Ouais. Les mobs de feu. Ah bah pour les petits connards de mobs de feu qui courent vite, ça va être des lasers. Hein. Oui. Le laser, la solution à tous vos problèmes. Exactement. Alors par contre, il me faut mon piège de glace. Alors attends, congélation. Pas des trucs de glace. Ah, attends, je peux augmenter. Inflige des dégâts d'acide. Alors, par contre, question. Congélation. Déclenche une tempête de neige qui inflige des dégâts aux ennemis et les gèle. Est-ce que si je mets inflige des dégâts d'acide, ça fait du gel et de l'acide? Je ou pense ça remplace pas, non. Le gel par l'acide. Je pense que ça remplace. Pas sûr, mais... Enfin, si quelqu'un dans le chat le sait. Qui nous disent. De nombreuses flèches dans toutes les directions infligent des dégâts physiques et en amélioration infligent des dégâts de glace, les cracheurs de flèches. Il faut les améliorer. Oh, mais de base, toi, ils infligent rien. Oui, oui. Mais ce que je dis, c'est que ça peut servir. Non. J'ai mis augmente la portée, voilà. On bondit sur le mur une seule fois. Ah, mais mes geysers d'acide, ils sont pas augmentés au max en fait. Augmente la durée de fonte. Augmente la durée. Ah, faut que j'améliore mes geysers. Alors là, pour le coup, ça va être de la congélation, ça va être du laser, ça va être du goudron. J'ai le cogneur aussi qui peut être rigolo, tu sais, dans des endroits un peu serrés où t'as pas la place de mettre des bumpers, ouais. Et tout, on peut mettre ça. Ouais. Ça peut être rigolo. Let's go du coup. Attends un peu. Ok, c'est bon. Enlever mon archer. Pourquoi on a 0? Parce que on l'avait fait en mode facile. Ah, salut Breniac, bonsoir. Oui, l'acide remplace la glace. Bah bienvenue Merci. Toi en plus. Bienvenue et merci. D'accord, ok, donc là on va le laisser en glace. Ouais, il faut. Ok. Je vais mettre des lames. Ah oui, parce que du coup, ce niveau, on l'avait pas mal fait en hors stream. On avait galéré. Et on se faisait décalquer la gueule, en fait, en normal. Du coup, au bout d'un moment, on en a eu marre. Après 5 ou 6 essais, on l'a mis en facile.
Et on a enfin réussi à le passer. Yeah, let's go. Allez. Mais maintenant, on a des, on a les lasers, donc ça va être plus facile pour contrer les petites merdes qui courent. Le gros problème, c'était les petits diablotins de feu, mais les petits qui courent méga vite. Genre comme des kobolds. C'était beaucoup trop trop chiant. Les premiers, on n'a pas besoin de mettre de piège, je crois. Oui. C'est des grosses locks. Grosses locks. Et je vois qu'on est, on est 9, on était 11, n'hésitez pas à follow la chaîne si vous voulez. De quoi on est 9, ils étaient 11. On était 11 sur le stream, je crois. Ah! N'hésitez pas à follow. Hop. Si besoin d'une strat, n'hésitez pas. Merci énormément, Brignac. On va faire un truc, si ça marche pas, on voudra bien. Bah, c'est vrai que ici. Moi, j'étais traumatisé par ce niveau, hein. Vraiment. Ah, ce niveau, il est vraiment chaud. En fait, le... on avait fait. Mais maintenant, on peut réussir maintenant avec les. Tu sais, le... notre strat de mettre des barricades pour qu'ils fassent tout le tour. Vu que maintenant on a les lasers, ça peut tuer des petites merdes. Ouais, mais attends, mais les lasers, je les mets où là? Bah, tu les mets à l'entrée, tu vois, à l'entrée des. Là-bas, ouais. Ouais, je peux essayer. Strat 1, plus vous tuez d'or, plus c'est simple. Ah, merci, merci Neutrinos. D'accord. Et bienvenue ça, à toi note. Aussi. Ça, je crois avoir ça, je crois que je l'avais compris. Ça ah non, désolé, il faut relancer le niveau. Pourquoi? J'ai oublié de changer mes pièges et j'ai pas les trucs de gel. Pas grave. Not bad. Je t'en remets dire, attends, j'ai le cogneur et j'ai pas. Je l'ai oublié de remplacer par le truc de gel. Comment on trouve Warwick? Continuons à tuer ses armées et il nous trouvera. A raison. En vrai, tu vois, tu mets un laser ici. Hein. Alors, ça à la place du cône. Voilà. Tu mets un laser là. Un laser là, normalement. C'est bon, non? Je lâche la horde ou. Attends, moi j'ai pas encore appuyé. Bon, bah tu appuies quand tu veux. Non, vaut mieux que tu les concentres, les lasers. Ah ouais? Parce que quand je mets mes trucs de. Bah sinon, c'est terrible. Ça? Oui, bah. J'ai peur qu'ils passent sur le côté. Bah, ils peuvent pas là, si. Ils passent comme ça. Bah, je sais pas, ici là. Non, tu peux pas les mettre sous ce pont là? Sous ce pont. Là, comme ça? Voilà. Attends, je repasse. Nous pouvâmes. Voilà. Et puis on fait ça de l'autre côté, et puis comme ça on peut barricader quoi. C'est ça. Tu vois, là je barricade ici là. Comme ça, ils peuvent aller loin. Les ennemis préparent une percée de l'une de nos portes. Oui, non. Ils ont fait une percée. Voilà, les petites merdes, ils passent pas. Il y en a qui passent sur le côté, mais c'est parce qu'il est vraiment... Ouais, c'est rare. Bah alors ? Galère ? Et alors? On a les pieds pleins de goudron? On n'y arrivera pas! Hop, on est gelé sous les. Sous les lasers? Hop, le troll. Bon, parfait. Alors en bas. Alors en bas, le truc c'était qu'il y avait des petits connards de mecs de feu. Du coup, ils sont insensibles à tout ce qui n'est pas. Enfin, tout ce qui est feu. Alors du coup on avait mis des trucs de gel et j'avais foutu aussi des lasers. J'avais foutu des surtout des ah oui des congélateurs. Des congélateurs et des pièges de goudron. Est-ce qu'on ferait pas comme ça? Et j'avais foutu des congélateurs un peu partout. Est-ce qu'on ferait pas quoi? Non, je crois pas que je puisse. En fait, ce que je veux, c'est faire. Ouais, non, c'est de la merde. Vas-y, ça augmente la portée, effectivement, ça prend toute la zone maintenant. On va faire ça. Là. Que je mette un laser? Comme ça? Oui, très bien. Merci. J'ai mis deux canons. Je vais en mettre un. Ici, comme ça, quand ils sortent. Attends, en vrai, tu veux pas mettre ton laser ici, s'il te plaît? Juste. Là. Là? Non. Là sur la longueur là. Hein? Voilà, et je vais déplacer mes pièges. Parce que comme ça mon truc de. Ce serait dommage de claquer mon. Ah oui, ton congélo, ouais. Mon truc de glace. Mon congélo. Je vais commencer à mettre les meufs là.
Voilà. Par contre là on prend du temps. Hein. En avant. Il va falloir aller plus vite la prochaine. Plus d'ennemis arrivent. Pour avoir le crâne 5. Je suis pas en bas. Une autre porte est attaquée. Ils ont détruit une autre porte. Ils ont détruit une porte. Alors on est gelé. Ça arrive aussi par haut. Ouais, je vais aller, j'y vais. Vas-y, vas-y. La SWAT, toi. Moi, c'est good. Ok. Ok, nice. Ok, parfait. Alors. De l'autre côté. De l'autre côté, je vais faire pareil. Voilà. Tu les as mis. Bon, c'est pas grave. Si, en vrai, tu peux les rapprocher, tes. Ton goudron, tu les as mal mis. Non, c'est bien aussi. Hein. Bon, je peux les rapprocher si tu veux, mais. Non, parce que après, sinon, le congélo, il va être. C'est mieux qu'ils soient slow quand ils sont congelés. Mais ça slow après le goudron aussi. Hein. Mais justement, ça optimise. Ok. Let's go. Oh non, les petites connards. Ouais, ça a peur. T'as mis des barricades en haut ? Non. Attention, nos défenses ont à nouveau été brisées. Est-ce qu'elles continueront même après ça ? Oh là, la petite flèche. Je préfère me les prendre, c'est moins chiant que les. Ils sont pas morts ? Non, ils sont pas morts. Voilà. C'est bon, je me suis tout pris dans la gueule. Ça, bon, ça, il n'y a qu'un laser, faut en racheter. Ouais, faut en mettre plusieurs. S'il passe à travers. Merde. Petit connard qui court. Ah, ça va être chaud, hein. What? Ok, bon. Maintenant là-bas, en haut. Ça va déchirer. Ok. Là. Cher. Voilà. Je préfère quand même mettre. Qu'est-ce qui coûte cher de ouf? Les barricades. Mais je pense que je vais préférer faire comme ça. Et. Comme ça. Tu vois, comme ça on... Je suis pas du tout en train de regarder ce que tu fais. On protège juste que à droite. Ok. Je sais pas si c'est opti de mettre du... Juste de l'acide là. Déjà, voilà, ici on va remettre un truc de congélo. Congélation. Et par contre, ouais, il faut des bons gros lasers là pour. Ouais, je pense que les flammes elles vont mourir. Let's go! Je peux remettre encore ici, on va prendre du plus d'argent. Je peux mettre un bumper là, voilà. Ah, on essaye de faire des choses marrantes! Ils arrivent en haut, j'ai mis qu'un laser en haut. Attention, nos ennemis ont à nouveau fait une percée. Plus t'arrives. Ils sont plus résistants que les kobolds quand même, les petits démons de feu. Hein. Ah merde, ils passent. Ouais. Merde. Faut que je sois là quand même pour les. Ouais, parce faut que les achever certains. Du coup, s'ils pètent ma barricade, ouais, on est un peu niqué. Ah, y'a un crâne. Ok, je viens t'aider en haut. Ah, ça va.
Ah non, oui, il y a l'autre côté en effet. Il y a plein d'orques. Oui, je suis avec les petits démons en bas là pour le moment. Ok. J'ai buté quelques orques en haut, dont un ogre. Moi c'est très bien là. Il y a un casque de... Ils se mettent tous en ligne, c'est plutôt pas mal. Il y a un casque qui est venu vers toi. Oui, il y a un casque qui m'a sauté dessus. Je vais mettre une archère ici. Espérons que ça marche. Ça, c'est un stopper d'orc. Plus d'ennemis arrivent. Ok. Mortel. J'ai entendu des sapeurs. Ouais, des sapeurs, mais ils sont tous détruits par les lasers. Parfait. Très bien. Bon, rien ne passe. Il y a des orques morts qui me tombent dessus, quoi. Genre vraiment. Rien ne passe chez toi, c'est bon. Non, non, ça va. J'ai rajouté encore des lasers. Ça a l'air d'aller là. Bon, ça va. Même les flamèches crèvent maintenant en passant. Ah bah parfait. Notre problème numéro 1. Eh ben c'est ton qui cette merde hein. Voilà. Plus d'ennemis arrivent. Ok. Allez c'est parti. Petit diablotin en bas. Ouais, il passe les barricades lui. Le chasseur Gnoll. Qui... Oui, mais c'est un chasseur, il vaut 0, on s'en fout. Ah ouais, mais il défonce nos archers. Ah, il défonce nos archers. Non, c'est bon, je l'ai tué, mais oui, c'est un petit bâtard. J'ai un peu la panique là. Heureusement qu'effectivement qu'il y a une barricade, du coup je peux les lâcher ici. Et toi ? Toi, la mèche ! Non ! À l'aide Aurore. À l'aide au scope. Sur les flamèches. C'est bon, elles ont explosé. Mana. Oh, au secours! Non! Plus de mana. Ah bon, c'est pas grave. Au moins le finant normal, on aura au moins au pire 4. 3 ou 4 crânes. Alors, putain de merde. Je vais changer, je vais pas les mettre comme ça. Chien-lit. La chien-lit. Il y a peut-être des pièges en bas. Tu peux mettre des pics. Non, j'ai pas. C'est des trucs pourris. T'as pas des pics. Oh putain. Parce que moi j'ai de l'acide, mais ça coûte super cher. Bon, je vais en mettre trop. Voilà. Je peux en mettre un canon. Genre, carrément chez eux. Je sais pas si on a vraiment besoin d'un autre canon. C'est déjà les deux, ils font bien le taf. Ok. Ah bah je rajoute des meufs qui tirent. Hey, let's go. Aïe 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 aïe, fais chier. Il y en a un qui est passé, sérieux. Je pensais qu'il y en avait plus. Ça fout vraiment le seum. Oui, j'avoue. Putain.
Rien. Ok, en bas je gère. Pour le moment ça va. Ok, nice. Ah merde, ça commence à devenir... Je t'ai envoyé des grenades. Ça va, ça va. Il y a des orques qui passent. Ok. La mèche. Oui. Tu vas où toi? Tu vois comment ils viennent défoncer les archers dans le plus grand des calmes. Ouais, non mais... En vrai, heureusement. Au moins, ils viennent pas se jeter dans la faille. Ah, il y a l'autre là-bas qui est perdu. Chiant, je peux sur rien mettre là. Ouais, ça a l'air bien. Plus d'ennemis arrivent. Shit. Le chose Arnold qui atterrit chez moi là. Oui. Ok. Mais non. Peut-il ? Non. C'est tout ? Ouais, non. C'est la fléchette qui a explosé dans le... J'ai vraiment fait ça ? Oh ! Heureusement que ça a bumpé. Ils se font bumper sur des bumpers là. Pauvre créature. Et putain, qu'est-ce qu'il fout là-bas lui ? Deux, hein. Ça va déchirer. Bon, et eh bien puisse le sort être favorable. C'est ça. Plus d'ennemis arrivent. Ça a peur. Très bien. Putain, la flamme. Ah, ça doit se voir sur mon visage que je stresse. Chasseur Gnoll, je n'y arrive vraiment pas à venir vers nous. Oh non, je le vois, mais... Et bah alors, les trolls, on galère.
Putain, on était bien, hein. Il y en a que deux qui sont passés, c'est dommage, hein. Il y a une flamèche là que j'ai laissé passer, je peux réussir à la viser. Ah merde. Et l'autre, c'était... Ouais, l'autre, c'était un peu la galère. Là. On a réussi. Pouf. Ah. Aïe, aïe, aïe. Bon. C'était bien quand même. Ah, bah super. Ouais, bah oui, hein. On n'a pas la vitesse, ni... Il y en a deux qui sont passés. Mais bon, on a quand même réussi 3 plus 5, c'est bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec 5? Qu'est-ce que je peux augmenter? Merde, j'ai mis continuer. Merde. Pourquoi avoir envoyé ces enfants? Je peux ignorer, hein. Voilà ce que j'ai fait. Il a l'air sympa. On quitte ça? Oh, oui, oui. On n'est pas préparé de toute façon. Non. Pas le scénario de guerre. Quoique le scénario de guerre aussi, on l'a fait en facile, hein. Faudrait qu'on le fasse ah aussi. Bon, bah ouais, vu qu'on l'a fait juste après le Colisée. On a mis continuer, du coup il était en facile aussi. Ah, on pourrait le refaire alors. Ouais. Ouais, sinon on a tous 5 étoiles. Pour l'instant je suis en chargement, moi. Il y a juste la cour du maître là qui était horrible, on a eu que 2. Alors, cour du maître. Attends, déjà, est-ce que je peux améliorer, je peux améliorer ma babiole peut-être? Cour du maître, c'était aussi avec des mecs de feu. Ah là là. Ouais. Connard de mec de feu. J'ai réduit le temps de récupération de mes geysers d'acide. Tiens, on a que 2, c'est nul. C'est nul. C'est nul. Vas-y, vas-y, on va le refaire. Allez. On ignore. Oui. Il savait que j'avais vu le pouvoir de la persévérance. Et oui. Alors, ouais, elle était horrible ce niveau. Prendre sur les anciens. Fait. Écraser une armée géante. Fait. Allez les mages de guerre. Ouais, on a sur grave. Pour l'instant, ça va. Ah, quand t'as déjà mis des barricades, très bien. Oui. Laissez-moi deviner. Je parie qu'on va devoir... Oh putain, oui. Aïe 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 aïe. C'est bien dû. Bon, là j'ai mis un bumper. Tu peux en mettre un. Saute pas dedans, hein, ça nous tue. Qui me racontait ça? Ah oui, sauter là-dedans directement, d'accord. Ah, c'était horrible. Après, ah oui, j'avais mis des... Après, j'avais on peut mettre des barricades. On peut mettre des barricades pour qu'ils fassent le tour. Mais c'est super. Il y a des chiant. Mecs de feu ici? Oui. Tu en vas? C'était. Une des premières fois où il y a eu des mecs de feu. Et on avait peut-être grave galéré. Et ils sortent d'où, tu te souviens? Du premier endroit. D'ici là. Pouet, 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 pouet. Un truc, c'est que je peux pas placer le truc efficacement là, et l'endroit c'est nul à chier en fait. Ah bah oui, bah il faut. Ouais. Il faut protéger deux endroits quoi. Il y a celui-là là. Et je pense que ouais, les barricades vont être nos amis. Hein. Ici j'avais. Tu peux bloquer un endroit en haut et du coup il doit tout se passer par le même? Ici? En haut. Ah ouais. En haut non. Ah non, tu peux pas, ils peuvent pas faire le tour. Parce qu'ils font, c'est pas les mêmes endroits. Celui-ci, j'avais mis des. Des trucs qui soulèvent les gens. Gravité, et, ouais, ouais. Plein d'archers. Ouais, c'était marrant. J'ai enlevé le truc d'acide, je pense qu'il me servira à rien. Prendre ça. J'ai enlevé la babiole de soin, je vais remettre mes piques, parce que ça sert toujours. Est-ce que je mettrais... Est-ce que je mettrais pas du goudron? Est-ce que j'enlève l'incinérateur ou pas? Non, attends, non, je vais faire ça. Je vais enlever... Je vais mettre mes lames, si. Je vais enlever mes piques murales. T'as mis des trucs en haut, c'est ça? Non, j'ai plus de thunes, j'ai mis 2 barricades. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. Ah bah non, mais attends, mais j'ai qu'à piéger ici, sinon, au lieu de piéger en bas, là.
Oui, si tu veux mettre. Oui. Un placement efficace équivaut à une mise à mort efficace. Bon, je sais pas, c'est pour mettre du goudron, mais. Tu veux pas faire l'inverse ? Ah, quoi que tu peux peut-être pas. Parce que comme ça, ils sont congelés dans les lasers, quoi. Donc tu mets les lasers dans le congélo. Non, mais en fait, je veux pas que les mecs qui meurent dans les lasers déclenchent sans faire exprès ce truc de. Enfin, le truc de glace, c'est gâché, genre. Bah, moi je vois ça plutôt. Je mets d'abord le truc de glace, et façon, après les lasers. Pratiquement personne meurt dans les lasers, en vrai. Tu peux mettre le laser. Oui, mais enfin, c'est. Vraiment, quand ça les tue pour 5 PV, c'est gâché de ouf, genre. Ouais, mais de toute façon, on va y avoir plein de monde. Je suis partisan de les glacer dans les lasers. Ça peut être sympa. Pire, tu fais les deux, hein. Non, je suis pas d'accord. Bon, bah ok. J'ai pas assez d'argent pour refaire les deux de toute manière. Après, mes trucs, enfin, ils prennent tout le couloir, hein, vu que la portée est augmentée. Je peux les mettre n'importe où, les trucs de glace. À la limite, sinon je mets le laser là et je mets le truc de glace avant. Bah oui, mais bon, le... Ça sert pas à grand chose, si. Ah bah, ça fait mal. Bon, bah je vais le mettre là. Ça fait là, mal, le congelo. Non, d'ailleurs, je vais pas le mettre là. Je vais mettre là, plutôt. Bien, là. Comme ça, ils arrivent, ça le déclenche, et ils sont genre ici pour le laser. Ils ne s'attendront pas à ça. Oui, effectivement, je peux pas le mettre au milieu, donc ce sera là. Parfait. Voilà, et j'ai plus que 500 PO, donc on va attendre. Je sais pas si le début ça compte pour le crâne bonus de vitesse. Est-ce que quelqu'un dans le chat sait si on peut prendre autant de temps qu'on veut pour le tout début? Ou ça compte quand même Y'a quelqu'un qui a été... Il est mort. Il est mort en tombant. Ouais, le crâne bonus, comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment le temps de buter les ennemis ou est-ce que les phases entrent où on a temps illimité pour poser les pièges, ça compte également? Ça, je ne sais pas. Il est mort, lui? Oui, il y a les trolls. Congeler les trolls. Ouais, mais un cierre de feu aussi. C'est la première fois qu'on les voit. Je pense que je comprends comment gérer les créatures de feu. Personne ne peut me dire. Ok, nice. Il est mort. Si. Alors. Est-ce que ici, il y a moyen de faire. Ouais. Ça coûte si cher, les barricades. Pourquoi tu la mets comme ça? Parce que j'aimerais bien en fait les amener ici, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est parti! Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je vois tout à fait. Je vois totalement. Une autre porte est attaquée! Ils font une percée par une autre porte! Ils arrivent! De l'ASMR orc explosé. ASMR orc! Ah, petite merde! Ah. Bon, eux c'est easy. Nice. Le temps entre les vagues compte si c'était la question. Vous avez la possibilité d'afficher le timer via les options du jeu. Mais même le tout début? Genre le tout début si on prend du temps... Ça, du coup c'est intéressant. Avant la première orbe. Et en vrai ouais ça serait cool d'activer. Activer le timer. Je veux génial une. Des sprints que moi j'aime bien maintenir. Mais ouais je vois ce que je l'ai mis. Ah, afficher le temps de référence. C'est ça. Accepter. Je peux pas les poser là, cette douille. Ah putain, oui. Ah trop bien. On voit le temps. Non, pas tout le début car la partie n'est pas commencée. Ok, parfait, c'est ce qu'on voulait savoir. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Brainiac. Ah mais du coup je peux plus mettre d'archer en fait. Où est-ce que je peux les caler?
On peut les mettre là, bah non, évidemment. Au secours! Parce que j'ai une légère chair pour faire du tir au pigeon. Ah. C'est pas. Je peux les mettre en bas, peut-être? Mais je sais pas si elles vont pouvoir tirer. Oh. Ah, j'ai surtout peur qu'elles se fassent défoncer la gueule. Bah ouais, vite, mais dans ce cas, là. Faut que j'enlève. Okay. Bah ouais, vite, t'es mignon, mais... T'es mignon. Au pire, mais autre chose hein, que des archers. Eh oui, mais les archers, c'était pour comboter avec le... Avec les trucs de TP. De TP? Ah, de... Bon, fuck you. Enfin, fuck you. Fuck it. Ça les envoie ici, là. Ça va les ruiner, normalement. Sur un autre front. Bon, j'ai mis des lance-scies. Bon, super. Ah, je suis bloqué. Ah, ça les a découpés. Je me fais défoncer, je sais pas par quoi, mais je suis presque mort. Je t'ai soigné. Ouais, j'ai vu. Ah non, dis donc. Oh putain, Ecopold. C'est bon. C'est bon, Ecopold is dead. Crève-toi. Voilà. Un peu moyen. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Salut Mathieu! Bonsoir! Tellement bien ce jeu, le bonsoir, 3 est tellement bon. Mathieu! Allez, oui. C'est qui le petit Clodo qui. Ah bah. J'ai éclaté la gueule. ouais, le 3 est vraiment très très bien. Bon, je suppose que t'as joué aux autres du coup si tu dis ça. Le 2 était vraiment bien et là, ouais, il est vraiment très très bien. On n'a pas fait le 1, nous on a déjà fait le 2. Et oui, effectivement. Ah merde, il est à l'envers. Bon, je vais te mettre là, toi. Voilà. Non, ça fait pareil. Très bien ça. J'ai pas joué aux autres, mais j'avais vu pas mal de vidéos. Quelles sont les caractéristiques de vos héros? Alors, Kuran... Lance, par contre, si tu veux. Oui, pardon. Pardonnez. Kuran, son personnage, il peut se téléporter. Et moi, je peux faire un... BAM! Ah, tu protèges ici? Je protège oui. Les deux autres côtés. Des lasers. Et moi je stun du coup comme ça là. Et ça coûte du mana. Et j'ai un tromblon et mon tromblon, mon clic droit stun. Et Aurore elle a un arc. C'est ça. Et tire de très 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 loin. C'est un niveau de quelle difficulté ça c'est le niveau normal. Moyen. Mais c'est un des derniers niveaux donc un peu galère. C'est quoi ça? C'est eux qui font. Je ne fais que les mimer. Les mimer à la bouche. Ok, c'est bon, j'ai fini ma vague. Ok, moi. Il est mort, lui? Pas mort. Moi aussi. L'autre côté, du coup. En bon, là, votre voix résonne très agréablement dans mes oreilles grâce à votre nouveau micro. Ah oui. Ah, ouais. Oui, je suis très content. Tu nous envoies délicieusement ravi. Merci encore à ma sœur qui m'a offert ce délicieux micro. Microphone qualitatif. Absolument. Moi je peux me cacher là. Ah, j'ai de l'argent mais je ne sais pas quoi en faire. Oh là là, problème de riche. T'as la MC, elle fait n'importe quoi. C'est pour ça que je l'adore. C'est la Banksy. Oh, y'a des lasers par ici. Oh merde. On m'a dit. Ça va, t'as besoin d'aide?
ça va pour le moment. Je surveille encore les orques ici. Les lasers font un dot. Voilà. Ils font pas de dot, enfin ils font des, non, des dégâts. Ils te crament tant que t'es dessus. Que t'es en dessous, ouais. Et ensuite j'ai l'impression qu'ils sont électrisés les mecs, donc ils prennent plus de dégâts électriques. Il y a des ennemis dans notre parfait. Ok. Aïe. Hop là. Allons-y. Comment vas-tu par chez toi? Par chez toi. Ça m'a l'air tout à fait croustillant. Aïe. Il y a deux fois plus d'ennemis là. Tout à fait croustillant. Mais. Je vais t'aider un peu là où je suis. Tu viens de placer des tourelles auto au plafond. Je viens de placer des canons. Non, c'est pas des tourelles auto. C'est des canons de givre. Bon, c'est automatique, mais ça prend assez longtemps à tirer. Mais sinon, c'est des trucs de CRS quoi. Pas des CRS, de. CRS. C'est pas de CRS, c'est des pompiers. Regarde. Et ça gifle les gens. C'est très marrant. J'adore givrer. Mais ils sont presque là. Bande de fous. Oh ouais, c'est comme ça que ça se passe. Comme ça que ça se passe dans le Nexus. Calme-toi, toi. La mèche. Les ennemis sont à la faille. Tu saurais encore en avoir. Mais bon. Il y a des ennemis dans notre sac. Putain, c'est chaud hein. Écoute, les vacances sous la pluie, c'est un délice, et vous? Ouais. Moi j'aime bien la pluie, mais là, aujourd'hui, il a fait beau. Ok. Mais sinon, ça va très bien. Très très bien. Tu es chez toi, chez ta mère, t'es où? Mathieu. Mathieu, j'ai envie de dire. Oh. Ça va aller, mais ça va aller. Ah, les lames. Attends, mais elle dure 10 ans et demi, ma lame. C'est vrai que je les entends. J'entends depuis un petit moment déjà. Hein. Bah, j'en ai mis plein, mais. Des délicieux bruits. Ah, c'est peut-être pour ça, du coup. Mais elles vont tellement loin. Je vole comme un oiseau. Je suis rentré à Brie. Ah, nice. Tu reprends quand les cours? Comment ils hurlent. Moi c'est délicieux quand je les vois passer dans le mixeur là. je les ai même pas vus. Attends, passe toi. Enculé, tu vas pas passer dans le mixeur. Ah non, le piège est... Les ennemis sont à la faille. Ah. Enculé, t'es pas passé dans le mixeur. Un peu vraiment que je... J'ai à mettre des pièges en bas là. Ok. On va geler ces petits connards. Et on va les faire saigner hein. Pourquoi c'est que les orques. On adore ça en fait. Pourquoi c'est que les orques qui gèleraient? Qui saigneraient. Tu dis quoi? Qui gèleraient. Ah oui, qui saigneraient. Mets des barricades pour faire rebondir Francis. Des barricades. Coûte cher les barricades. Et les rebonds, c'est rigolo, mais là, faut faire attention parce que là ils peuvent tomber et directement aller là-bas. Voilà. Je vais protéger. Tellement de. De l'âme. Tellement de l'âme. Ah, tu t'occupes d'ici? Oui. Des mecs de feu? Je te voyais pas dessus, oui. Donc j'ai eu peur. Si, si, mais à l'étage, en fait, je peux les voir déjà de. Ok, ouais. Je peux les voir et t'aider en haut. J'attendais qu'ils s'avancent un peu plus avant de venir. Francis, la lame. Oh putain, waouh. Waouh! Waouh! C'est incroyable en fait. Incroyable en fait, c'est ça. Un dieu parmi les cons. Balance, fait électroquitter. On gère bien là. Ah, ça va. Ah oui, en plus il restait 1 minute 16. Ah oui, bravo à tous.
La pluie c'est de l'eau, l'eau c'est la vie. J'avais même pas vu. En plus on a eu le truc de... Ouais, ouais, je t'ai dit, il restait 1 minute 16. Tu peux l'activer en vrai. Il y a un viewer qui a dit que dans le jeu, tu peux activer en fait le chrono. C'est où dans... C'est pas dans statistiques? Non, dans options. Ah, ça fait plaisir les crânes. Attends, déjà je pousse ça. Je suis tout en sueur. Bah, je peux pas ouvrir les options, moi. Sinon, ça me fait quitter la session. Ah oui, fera plus tard. On peut pas le faire ici. Ouais. Alors, ils sont mes geysers d'acide. Je peux pas encore augmenter. Bon, j'ai 42 crânes là. Y'a pas moyen que je puisse améliorer des trucs rigolos. Ça, j'ai tout amélioré. Qu'est-ce qui est drôle? Qu'est-ce qui est petit et marrant? Y'a les Mass Métronome qui avaient l'air marrant parce qu'en plus, tu peux les foutre en feu. Ouais, mais on les avait testés et c'était pas. Bah, c'est. Ouais, c'est. Ça prend c'est pas fou. Ça prend pas beaucoup de place en fait. Y'a le poussoir. Oui. Oui, oui, oui. Où est-il ce petit. Y'a le cogneur aussi, tu te souviens, dans le 2, on mettait que des cogneurs. Je l'ai le cogneur. Je l'ai pas amélioré, mais je l'ai acheté déjà. Tombe du plafond. C'est vrai que quand on en mettait, c'était très très drôle. Les gens ils se faisaient hard bolos. Vas-y, moi je vais l'acheter. Je vais le full dégâts. Augmente la durée, augmente la force de recul. Qu'est-ce qui est petit et marrant? Le streamer. Voyons que c'est rigolo ça, dis donc. Dis donc. C'est pas nous qui sommes petits, c'est toi qui es grand. On fait lequel? Ah, tout seul, on a que 3. Non, pas le Colisée, non. On peut faire le sous-sol. Allez, vas-y, le sous-sol. Allez, let's go les gaz. Me voici de retour. Ah non, c'est pas... C'était lui. Le chelou. Ah. Et il est super magnifique maintenant, et après son bannissement, il a découvert comment générer des failles rouges de partout et commander les orques. Non, les lames ici, ça va pas être ouf. Hein. Les cogneurs non plus. Les mecs, ils parlent de moi, mais sans aucune pression. Quoi, genre. Ah, quoi que les cogneurs, ça peut les... Super boulot de résumer ce que la sorcière a... Ah, mais ça où tu dois envoyer les gens en bas? Non. Enfin, si. Ouais, c'est ça, ouais. On avait que 3? Ah, on s'est fait... C'était fait hard bolos. Ouais, on s'est fait hard bolos. On met des poussoirs? Ouais. Bon, et une fois que c'est ça. Fait, et qu'on rigole bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Une fois que c'est bon. Alors, attends, il y a quoi? Alors, il y a des connards qui courent... Alors, il y a rien pour péter les barricades. Et il y a pas de mec de feu. Oui. Donc j'enlève mon truc de glace. Ah, je vais prendre peut-être mon truc de geyser de... Il y a toujours des créatures volantes dans certains niveaux. Oui. Dans la campagne 2. Dans la campagne 2, il y a les créatures volantes, pas dans la campagne 1. J'ai pas compris cette map, il sert à quoi le sous-sol si en fait tu bumps les gens et du coup bah ils tombent et ils prennent 10 ans et demi à revenir. Du coup ça... On peut le tuer. Voilà, mais c'est... Ouais, en vrai... Ah non, mais c'est un des premiers niveaux ça, non? Non, c'est un des derniers. Pourtant y a les mobs, ils sont gentils en fait. Hein. C'est un avant-dernier. Bah ouais, mais regarde la porte, elle est... Enfin, c'est... il est compliqué, hein. Il y a beaucoup de monde. Hein. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Bah... Et en effet, ah le non, chrono, y a rien. On a 10 minutes pour le faire. Il y a rien pour... Il y a rien pour mettre des lasers en plus. En vrai, il faudrait des poussoirs. En plus ici. Peut-être non. Je voulais mettre un cogneur, mais il n'y a pas de plafond, du coup c'est nul. Oui, oui, les cogneurs, ça sert un peu à rien. Il n'y a qu'une entrée ou pas les... Non, il y en a 3. Là, première vague, il y en a une. Tu peux voir sur la minimap en haut à droite. T'as cette porte va péter. Et ensuite, les deux portes en bas à gauche et en bas à droite. Ouais, cette map, pour le plafond, c'est pas folichon. Il y a beaucoup de plafond ou pas? Il y a pas gros... Non. J'ai deux pièges de plafond. Et bah ouais, mais je vais enlever... Hein. Il n'y a pas grand chose. Ah, mais si, on pouvait en foutre, ouais, là. Mais on pouvait foutre des balistes, et après on peut foutre des lasers, mais c'est compliqué à foutre, quoi. Non, mais attends, mais wesh, non, les lasers, tu peux même pas. Ah, si, si là. Il y a certains endroits, tu peux. Non, mais. Ça sert pas à très grand chose. Si, c'est chiant de l'attendre qu'il remonte, quoi. C'est après, le truc, c'est que les autres pièges qui sont pas mal, ils sont pas améliorés. Genre, il y a le mur de pique que je pourrais foutre pour casser la gueule des gens. Oh, le mur pique. Ouais, c'est pareil, je l'avais amélioré, mais je l'ai désamélioré pour améliorer. Après, il y a un chargeur mural. En vrai, il avait vraiment une portée ridicule, mais peut-être qu'il y a une amélioration pour augmenter la portée un tout petit peu. Là, il n'y a que 2 cases quand même, hein, donc c'est petit. Tu peux mettre des incinérateurs, là?
Si, mais où? Là, là. Et là, là, en mode... Ouais, ouais, je peux. Vas-y, let's go. Hein. J'ai pas d'argent, mais... Allez. Après, ce qu'on peut mettre, c'est une barricade ici, comme ça, ils peuvent que passer à un endroit, tu vois, ici. Comme ça, ça nous économise. C'est ce que je pensais aussi, mais est-ce que ça nous ferait... Bon, quoi que... Au moins, on pourra faire ça, ouais. Ils ont fait une percée via une porte. Vous voulez voir du fun? Ah bah non, apparemment. Oui, on va avoir du fun par ici. Ouais. Vous pouvez voir sur la minimap, du coup, il y a un petit connard qui est en train de... Qui est là. De tout remonter. Faut en mettre des archers, peut-être, aussi. Ouais, on en avait mis... Pour tirer sur les mecs qu'on voit pas. Y'a un pigeon. Bon, tirer au pigeon avec un fusil à pompe, c'est compliqué. Ok. Du coup, on... tu gères ici, on met une barricade. Ouais. Ok, je te laisse en mettre une. Voilà. Ça s'ouvre où maintenant? À droite. On va mettre ça pour plus tard. Ah oui, on a mis encore plein de poussoirs ici et tout. Oui. C'est vrai. Je m'en souviens. I remember. Allez, let's go. Y'a pas des mobs qui cassent les barricades? Pas dans ce niveau, je crois. Pas dans celui-là. Not in this one. Quand il y a des petits cons qui... Il y a des petits cons qui courent vite, hein. Ouais, ouais. Attention, nos défenses ont à nouveau été brisées. Ah, c'est délicieux quand on a des grosses boules de... boules explosives, là. Petite grenade. J'en vois dans le tas des trucs de cobot, là. Tu es plus à même de les défoncer. Ouais, ouais, ouais. Ok. Le mur de flèche à l'ancienne. Oula. Qui parle des murs de flèche? Mathieu. Barbeau. Ouais, Stéo. Mais les murs de flèche, ils sont bien, mais là, le truc, c'est que les kobolds, ils courent tellement vite qu'ils passent à travers les flèches, en fait. Ouais, le ils passent des... et le piège se déclenche après. Du coup, c'est waste. It is the problem of the petit connard. Et il passe aussi de l'autre côté maintenant. Okay. C'est parti. Passe de côté. Dis donc, tu fais des jolis trucs avec tes elfes, toi. N'est-ce pas? Des petites elfettes. Des elfinettes. Ah, ils arrivent à droite. Ils arrivent à gauche aussi. Protège chacun d'entrée. Ouais. Zébardi. Sur un autre front. Ils ont détruit une autre porte. Calme-toi, l'ogre. Zi comme ça que ça se passe. C'est bon. Plus de jus magique. C'est dégueulasse, mais ok. Fait-il? J'avais plus de mana, il a dit plus de jus magique. C'est ce qu'il a dit? Ouais. Terrible. Au revoir. Cobalt là, je te le flinguer après parce que... Oh, c'est les petits connards d'archers qui viennent juste là pour cliquer. Bon, je te laisse les achever. Tu m'étonnes qu'on n'a pas eu de... le bonus de vitesse, enfin le crâne de vitesse ici. Ah ouais, si on attendait que les autres clodos remontent... Ah ouais, on les attendait. Comme des glands du cul. Ok, alors ici. Donc ils vont obligatoirement passer là. Où est-ce que je mets ça? Je mets des incinérateurs, c'est rigolo les incinérateurs. Je me souviens qu'on mettait les... On avait mis des archères ici. C'est ça, le truc. Les fameux glands du cul. Eh oui. Les bien connus.
d'ennemis arrivent. Bon, je pense que c'est bien là les barricades. En espérant qu'on effectivement on incinère bien tout ce qui passe. Easy. Bien moi ça. Ah oui, effectivement les archers font du tir au pigeon. Après je sais pas si ça arrive à toucher mais. Oh merde, attends, il y en a là-bas. Je m'en occupe aussi. Vas-y. Ah, faut faire attention du coup s'il remonte et qu'on n'est pas prêt. Oui mais bon, il n'y a pas 20 000 qui vont remonter quoi. Bon ici ça a l'air d'aller. Bon, toi tu vas mourir. Hein. Je vais protéger les gens qui remontent. Vas-y. Ils ont vraiment un PV. J'achève les gens ici moi. On peut vraiment mettre du laser. Oh, l'ogre il est tombé. L'ogre il est tombé. Ah merde. Je l'ai vu. Je l'ai vu comme le caca qu'il est. Je l'ai vu chouar. Chouar, il a chu. Ouais. La thune. Oh là la musique. La musique a changé. C'est fini. C'est fini les gâteaux. Les gâteaux. Ils arrivent sur le côté. J'y vais. Tu vois ça là? Ouais. Oh, vous avez mis des lasers. Vous voulez goûter à ça? Bah alors l'ogre. Tu prends les dégâts dans les lasers? Eh, le gel dans les lasers, c'est délicieux. Hein. Le gel. Le givre. La givrette. La givrance. La givrelette. Il y en a tellement qui sont par terre là. Ils sont en bas. Attends, déjà, on achève ceux d'ici. Effectivement, je les vois, je vais sniper de là où je suis. Moi qui stun. Moi qui dis quand ça stun. C'est bien mignon de mettre des archers partout, mais il va falloir mettre des pièges, monsieur. On sait, c'est carabistou. Oh, eh, oh. Elles font du tir au pigeon. Laissez-nous nous amuser. Et théoriquement, ces femmes sont des pièges. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le jeu. Elles sont indiquées comme telles. Ce sont des objets. T'as mis des la. Non, t'en as mis. Avez-vous quelque chose à tirer? Non. Ah oui, je vois qu'on fait le travail. Moi, je vais mettre du givre. Si vous me permettez. Je vous permets. Très bien. Ouais, je le sens bien. D'accord. Putain, j'ai mal mis. Allez, hop. On va carabistouiller la gueule. Ah, et aussi, vu que tu viens d'en parler, entre guillemets, on peut pas enlever nos pièges quand on est en game. On peut pas les vendre, ouais. On peut pas les vendre, ouais. Faut attendre d'être entre deux... Entre deux vagues. Entre deux vagues, ouais. Ça arrive sur les côtés aussi. Ok. Oui, là, les deux côtés, ça va être complexe. Ouais, je vais venir t'aider aussi. Oh putain. Oh putain, il passe. Laissez les archers tranquilles. Bande de monstres. Misogyne. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Oh. C'est bon, il est mort. Oh. Il m'a fait peur. Bon, on n'aura pas le truc de vitesse. Qui sont les autres là? En train de remonter tranquillement. Ah ouais. Ah, mais au moins on a eu un crâne. Si on veut le truc de vitesse, il faut faire une autre technique, je pense. Oui. On a eu un crâne bonus. Ok. Là on peut enlever les trucs. Je vais enlever lui. Mettre un max d'archer. J'adore ces femmes. Plus d'ennemis arrivent. Oh, on est gelé. Comme un caca.
Il y en a un, il a gueulé. Je les entends là qui se. S'enjaillent. Ils se font bolos. Non, je trouve qu'ils s'enjaillent plus qu'ils se font bolos. Ah, pour le coup, j'aurais dû mettre des archers de feu. Oui, c'est vrai. Ça aurait été sympa. Tu peux pas mettre un mur de flèches ou assimiler devant l'entrée principale ? Oui, mais on n'a pas de flèche de mur de flèche en fait. Si, moi je l'ai. Ah, bah tu peux le mettre si tu veux pour lui faire plaisir. Où ça ? Devant l'entrée principale. Si, 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 je peux, ouais. Attends. Bah écoute, je vais mettre des. Bah non, je peux pas, il n'y a pas de mur pour les mettre. Devant l'entrée principale ? Il y a un mur. Non, mais tu parles de l'entrée des côtés ? Non, l'entrée principale, le milieu, le devant. Bah, si, je peux en mettre là, ouais. Je vais en mettre un ici. Là, là. Là ? Oui. Il insiste, bon, voilà. En plus, il a dit. Moi, je serai nous. Il y en a partout. Ouais, faudrait le faire. C'est bon, on l'a fait. Oh, ça peut être marrant de faire ça. Ouais, ça a l'air bien. Je sais pas. On verra. Une fois. Ah, il y a moitié des orques qui sont partis en bas. Hein. Ah. Sans doute, mais. Bon, ici, on verra. Sharif. Ok, voilà, ça va marcher. Ça va, ça va. Ok. Oh, le troll y est tombé. Ok. Oh, j'ai eu si peur. J'ai failli se rouler. Bon, on n'a pas eu le bonus de vitesse. Les dégâts du mur de flèche, heureusement que je vous en ai dit d'en mettre. J'avoue. Bon, bah, vu qu'on a pu le. Allez hop. J'avoue, tu viens de mettre des bumpers exprès pour lui casser la gueule et. Oui, j'ai la stite comme ça, il est tombé sur la tête, il est mort. Délicieux. Crac. Ah, mais Mastério l'a activé. Regarde Mathieu. Bonsoir à tous. Petite oreille gauche. Ah, on a petite des. Petite oreille droite. Agréable, non ? Agréable, n'est-il pas ? On a des crânes, en effet. Est-ce que tu veux tester un. On en fait une petite dernière, si tu veux, qu'il est 23h13. Je sais pas si t'étais fatigué. Un peu. Bon, une dernière. Ne refais plus. C'est insupportable, ne refais plus jamais ça. Arrête, c'est de la ASMR. À l'aide. C'est laquelle qu'on aimait bien ? Pas du tout. Attends, je vais regarder les maps. Celle-là, il y a deux entrées. On peut faire la toute première en mode difficulté. Max. Si tu veux. Qu'en dis-tu ? C'est agréable. Après tout, pourquoi pas ? Après tout. Est-ce qu'on n'est pas là ? Pour le fun, en fait. Pour de l'amusement. Pour l'amusement en barquette, trois chatons. Il n'y a que des orques ? Ouais, c'est le premier. Attends, j'inflige des dégâts de feu avec mes archères. Mes fléchettes, elles sont où ? Fléchettes. J'annonce, full cogneur, full lame qui court, qui coule pas, qui fonce partout. Ah ! Alors attends. Cogneur, lame, les lames qui courent partout, ça se met où ? Au mur. Ok. N'hésite pas à mettre. Sur le sol, par exemple. Alors, j'ai la mare de goudron, j'ai le geyser d'acide, et j'ai mes pièges à pic. À l'aide, au secours, tuez-moi ! Pourquoi ? Mais le bruit que ça fait dans mes oreilles ! C'est bon, vas-y. Yes, go ! T'as la barricade aussi ? J'ai la barricade, en effet. Oh, tais-toi, on s'en branle.
Non mais c'est bon. Attends, c'est le premier niveau. Du coup là on le fait en, le premier niveau en mode hardcore. Et puis petit à petit on va aller. Oh attendez, il y a de la lave. Oui. Ouais, j'aimerais vous dire que je le savais, mais en fait non. Je crois que les cogneurs, ça les pousse suffisamment pour qu'ils tombent. Oh, je pense, ouais. Vite, posez les pièges et soyez prêts. Je vous donnerai d'autres instructions dès que je le pourrai. Comment l'entendre alors qu'on peut pas la voir? La télépathie, gros malin. Gros malin. Essayons ces pièges sur le terrain. C'était pas le mauvais bail parce que la lame rentrait dans le... Hein ? La lame rentrait dans quoi ? Ta lame est rentrée dans le portail là ? Ah, attends, peut-être. La dernière fois, tu m'as dit qu'il y avait un truc en comme effet, ça. En effet, ouais. Tu as raison. Alors, les cogneurs ! Ah, c'est chiant, ça veut pas... Alors, c'est quoi ? Ok, ça prend le carré en dessous de lui, effectivement. Donc, en limite, pour être pleinement efficace, il faudra en mettre deux. Attends, c'est vrai qu'il y avait ça à faire aussi. Piège mural uniquement. Excusez-moi. Excusez-moi. Mais... Je crois si c'est bien, je pense pas. Ah 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 ah. Incroyable. L'aide au secours. Revenez chez vous. Incroyable. Oh, ça va être délicieux. Oh, la boucherie. Attends, ils sont trop loin mes cogneurs. Attends, lance pas, De toute façon, on va se faire défoncer le cul, mais... Ah ouais, mais ça voilà. On est là pour rire. On est là pour jouer, pour rire et pour grandir. Mon perso, ah, j'ai attendu ça. Oh mon dieu, les... De mes 2500 ans. Petit cogneur, là. Pour ce moment. Ce moment-là. Ah ouais, la boucherie. Ah, la boucherie fait... Ah. Ça ressemble à rien. À la boucherie chez Kyuran et Nobody. Kyuran et Nobody. Ah oui. Tu vas pouvoir mettre... Je vais mettre d'autres cogneurs. Des autres de l'autre côté en plus. Ah bah hé, on est là pour ça. Oh là là, mais c'est délicieux. La boucherie maligne. Maligne. Ils sont tanky, hein. Ah là là, regarde-moi ça. Approchez. Je vous attends. Oh non, des cogneurs, ils se sont déclenchés. Tu sais, on dirait les mecs de niveau 80 sur WoW qui... Enfin, dans un MMORPG qui viennent voir les mecs niveau 1 et qui les déglinguent. Qui les et ils se sentent super forts. Alors, le cyberbullying. Non, toi, tu restes là, toi. Mais ils passent, en fait, j'en ai mis 4 déjà. Si, regarde, le troll, il m'a tapé. Oh, le troll, son petit corps tout mou, là, il a giclé le troll, là, il est par terre, là, en ragdoll. Au revoir dans le feu, hop. Chiné. C'est si drôle. Plus d'ennemis arrivent. Je ne suis pas un gentilhomme. Et bah alors, on se passe trop poussé, ça va? Oh, mais 6 cogneurs! Oh, ya. Oh, yo. Aïe, aïe, yo. C'est délicieux! Ah, mais je ça, c'est incroyable! Mais c'est terrible! C'est un délice de tous les instants! C'est terrible! Je pense que j'ai jamais été aussi heureux de ma vie! C'est ce qui me manquait pour être heureux en fait. C'est ce qui manquait à ma vie. Voir les orques se faire découper tel du jambon. Il y a un ogre qui arrive. Brave ça. Regarde. Il va arriver tranquillement. On va le givrer dans les lames. C'est fait instantanément voilà. Fumer. He's dead. Ah, c'est satisfaisant là. Allez, si vous voulez de l'ASMR ? ASMR découpe d'orques. Il résiste, hein. Ah putain, il a l'orque en armure. Armure là. Putain, mais niveau 1, il y a un orque en armure. Apparemment. Ok, maintenant, ASMR flamme. ASMR flamme doudoune. Plus d'ennemis arrivent. Ah, c'est bien, ça te fait le rôti, on le découpe et on le cuit en même temps.
et ton acide, on l'assaisonne. Pour réduire le temps de préparation, là. Le temps de dessalage des filets de nourriture. On optimise. Optimisme. Les cogneurs, c'est incroyable. Et alors ? Il a disparu. Mais depuis quand il y a des grenadiers trolls ? Un grenadier troll. Incroyable. Oui, j'avoue, on les a jamais vus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y en a combien de ceux-là ? C'est pas grave, hein, ils mourront comme les autres. Mais... Il y a des nouveaux mobs dans les niveaux difficiles. Bon bah voilà, hein. Et on va mettre des trucs de CRS là. On les regarde. Des trucs de CRS. Ah, non, galère pas trop. C'est beau un monde qui joue, hein. Y'en a un qui est passé. Ah bah il vient me voir. Ta gueule. Ah bah. Les pauvres, s'ils arrivent à passer la boucherie, la rôtisserie, la baston et l'acide, ils se font pousser dessus. Leur repoussoir. Oui, ils se font rejeter de l'autre côté. Ah, parfait. Ah bah voilà, tu vois, les crânes. On aime les crânes. Facile. 10 crânes comme ça, là. Hop. Attends, c'est quoi le cogneur? Faut faire quoi? Ah bah, j'ai infligé suffisamment de dégâts en un niveau. Ah merde, mais du coup, moi, j'en ai pas mis. Du coup, j'ai pas fait la quête du cogneur. Infligé 750. Alors, j'augmente la durée ou j'augmente la force de recul? Ah, les deux sont bien. La durée, je pense. En vrai, la durée, allez. 2-3 tourelles de gel et on est pas mal là-bas, tu vois. Bon, bah voilà. Hein. Tu veux qu'on fasse une dernière? Ou tu es fatigué? Il est quelle heure? Il est 23h20. Bon, en vrai, c'était rapide, ça a mis 3 minutes, genre. Allez, on fait le deuxième. On fait le niveau 2. Est-ce que la boucherie maligne va pouvoir réouvrir? La boucherie maligne. Non. Ah putain, non, c'est cet endroit là. Lui il est plus difficile. Oh, mais si, la boucherie maligne elle est juste ici. Attendez, je viens d'arriver, restez calme. De quoi la boucherie maligne? Non mais attendez, il va falloir des cogneurs là. Ça me suffira que vous restiez en vie tous les deux et que vous teniez les orques à distance. On va tellement perdre. On fait n'importe quoi juste pour la boucherie maligne. Oh mais merde, attends, ça fait pas un... Putain, ça va pas être symétrique. Ah, shit. On fait n'importe quoi juste pour la boucherie, maquine. Allez, c'est bon. Tout bon. Deux entrées, quel malheur. Ah oui. C'était pas ouf. J'avais vraiment du mal à avec ce truc là. Les ennemis préparent une enculé de l'une de nos portes. Ils ont fait une bâtard. Oh, t'as fait tomber des mecs dans le vide. Oui. Ils arrivent. Oui, papy. C'est même pas qui c'est, hein. Non. Tout le monde est dans le lore, mais sauf lui. Sauf lui. Enfin, lui, il est juste là en commentateur. C'est un mec qui fait ses courses, il est à côté. Attention, les jeunes. Les ennemis dans les airs. C'est le grand-père quand tu fais un créneau, il te regarde là pendant 10 ans et demi. Ah, cassez-vous. Oh mais ils sont pas morts, putain, ils sont stun. C'est qui a fait ça? C'est moi. Il y a des bruits terribles. Voilà, la boucherie maligne, il va bientôt pouvoir ouvrir ses portes. Mais qu'est-ce qui... Il y a déjà des chasseurs gnolls. Oh là, j'épure un peu la viande, j'ai raffermi un peu la... J'ai raffermi la viande. Ils vont pouvoir venir, la boucherie maligne. Mais c'est trop bien parce que ça bump sur tes rosseurs. C'est les rosseurs à rosser. Incroyable. Bon, y'a plus qu'une entrée là, on devrait pouvoir le faire. Après, je suis ma babiole qui recharge instantanément les pièges. Ah, oh, mais y'a... Oh, incroyable. Attends, viens là, toi. T'es stun. Regarde ça, comment ça veut rien dire ce qui se passe. Je sais pas, mais en tout cas, moi j'aime bien. Bah oui. En tout cas, c'est délicieux. Est-ce que tu veux que je mette des barricades? Ah, sur les côtés, tu veux dire? Ouais. Flemme. Non, je pense que c'est bon. Flemme.
Par contre, faudrait que tu mettes peut-être du slow, je sais pas. Du goudron? Ouais. Je peux. Enfin, quand j'aurai de la thune. Ouais, j'ai rechargé les pièges. Incroyable. Ce mur de tatane! Je croyais que t'allais dire ce mur de tapette. Dis donc. The Hall of Tapette. Oh putain, ils sont tanky, hein. Ah, attends, en même temps, t'as vu la grande entrée qu'il faut, là? Grande entrée que je dois couvrir? Ah, bah j'ai pas de thunes. Attends, il est où l'autre, là? Connard. Elle a pensé à moi, elle a mis un mur de flèches. Oui, je l'ai mis sur le côté. Dis comme ça Mathieu sera content. Allez hop, on rouvre notre raffermisseur de découpeur de viandasse. Ah, c'est pour la congeler directement, pour les produits surgelés. Ah ça c'est pour la surgelée, ça c'est Picard, on est sponso Picard, donc on peut pas faire n'importe quoi en même temps. Sponso Picard, on est obligé de mettre au moins un truc de glace dans chaque niveau. Puis le truc de pompier, la CRS là, je trouve ça très drôle. Oh, le bordel dans le hall. Ah oui. Oh là là, mais regarde-moi ça, c'est beau là. Oh là là. Wallpaper Engine. Wallpaper Engine, tiens-toi prêt. Ah, les cognures en PLS, tu les vois, ils tournent, mais mal en plus. Ouais, ils sont à moitié cassés. Les trucs fait à la zeub là. C'est la technologie orc pour contrer les orcs. Ok, on ouvre une nouvelle enseigne. Je vais mettre elle. Ici. C'est la vendeuse. C'est la vendeuse à la boucherie, Maline. Qu'est-ce que je vous sers? Les côtes. Attendez, faut que j'aille les chercher. Je vais les chercher, bah vous êtes le client. Et si c'est gratuit, vous êtes le produit, hein. Ça manque d'une demi-douzaine de cogneurs. Bah ça coûte cher, hein. Oh mais regardez-moi ça, c'est délicieux, ça va rien dire. Ah y'a un mec en armure, y'a un mec en armure. Ouais mais t'inquiète, regarde. Ah merde, j'ai plus de mana. Bah regarde-le. Je le bolosse. Attendez, ce client est beaucoup trop enjoué. Oh, bon. Calmez-vous les clients là. Je recharge les pièges. Ah, je peux pas pouvoir les empêcher. Ah, il y a deux clients qui nous ont volés. Oh non, des clients infidèles. Oh là là. Quelle indignité. C'est ça, quelle indignité, vraiment. Ah, oh, dommage, putain, elle a toute faim. Ah. Regardez, c'est incroyable. Waouh, je veux cette technique pour mes petits-enfants. Quoi que ça veuille dire. Je veux les concevoir dans la boucherie, Maline. 4 crânes. Très bien. Ah bon. On arrête là? Je veux les concevoir dans la boucherie, Maline. qu'est-ce que je peux... Alors, la babiole, en plus, je pourrais bientôt augmenter un truc qui fait que les pièges se réinitialisent passivement plus vite. Ah, ça, c'est incroyable, par contre. Faut attendre un peu, mais il faut que j'utilise encore 4 fois. Okay. Je pourrais le faire. Ça, c'est cool. Bon, voilà, bah, j'économise un peu en... Il y a les broyeurs aussi, hein. Attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour la boucherie maligne? Cracheur de flèches. Ah, j'avoue que sur les côtés, mettre les broyeurs, ça peut être bien aussi, hein. Ouais. Bah ouais, parce qu'en plus, avec les cogneurs, ça balance sur les broyeurs. Donc c'est pas mal, hein. Je sais pas combien ça coûte un broyeur. Tu vois, je l'ai pas acheté. Il y a le dragon des arcanes aussi, ça a l'air marrant. Les lames murales, hein, pour découper aussi, ça peut être sympa. T'en as dans boîte, ouais, c'était l'océan de guerre, je crois, ouais. En vrai, les lames murales, ça m'a l'air d'être la même chose que le broyeur. Hein. Ouais, j'ai l'impression. On fait saigner les ennemis, augmente les dégâts infligés. Les broyeurs, c'est quoi? Ralentir les ennemis, augmente la durée active. Ouais, je sais pas trop. Faudrait tester. Tu vois. Ok. Bon bah... Hop, nous repassons. Des bonnes choses de fait, hein. On repasse dans le homme papote. Ah. Tac. Bon, bah en espérant que ça vous a plu, ce petit Orc Must Dies. Compliqué. Tac, je m'en mets bien. Et oui, trop bien ce jeu. Oui, en effet. Et en plus, il y a d'autres modes. On pourra vous montrer d'autres modes, genre par exemple
Il y a un mode un peu roguelike. Un mode roguelike où, par exemple, il faut faire un niveau avec un debuff, avec un malus, et ensuite tu peux choisir ton bonus. Par exemple, tu fais tes attaques font des flammes, ou tes tirs dans la tête, ou alors tu dépenses deux fois moins de mana, des trucs comme ça. Donc on pourra faire ça. Il y a aussi du Monster Hunter hein, qu'on pourrait faire. D'autres jeux. Voilà. Et bien, cette semaine, on va peut-être stream. On sait pas trop quand. Il faut que Kuran fasse le planning. On va pouvoir. On n'a pas grand-chose, à part le week-end. Normalement, la semaine, on va pouvoir stream tranquille. Deux, trois jours, ouais. Et merci à tous, vous étiez assez nombreux. Hein. On a fait, je crois, un pic à 11 ou même peut-être un peu plus, je sais pas. Donc, merci à vous d'être venus. Et comme venus. Tout le temps, en fait, merci. Hein, parce oui. que... Merci énormément. Et merci aussi à Mega Cruzes qui s'est abonné. Le bro. Alors, du coup, il est bébé junior ou junior pout-pout ? Bah, il est bébé junior. Bébé pout-pout ou junior pout-pout ? Il est bébé junior. Bébé pout-pout. Ah ! Et oui. Tout petit. Eh ben oui, mais tous les gens qui pourraient être pout-pout junior, ils sont VIP, du coup on voit pas leur truc. Je pourrais mettre Mathieu aussi en VIP aussi, vu qu'il vient souvent. C'est vrai, il vient régulièrement. Je pourrais te mettre VIP. Bon, et bien bonne soirée à vous. Et oui, bonne soirée à vous et bonne semaine. À quand, Yes. Allez, bisous, bonne, bonne soirée. Smakou, smakou. Smakou, smakou.